Radio .com. A definite breakthrough step in home entertainment. Personne ne peut se plaindre sur la météo qui s'en vient et qu'on vit aussi depuis quelques semaines. On est du bon côté du système. On a. De temps en autre, on est jaloux des autres qui ont des températures au-dessus des normales de saison. Là, c'est la tour. <laughs> il y a des gens anxieux. Ne soyez pas, là. Ne soyez pas, c'est de C'est de la météo de base. Si vous voulez aller suivre notre chum Carlos Ramirez sur Twitter, vous allez comprendre facilement. Les endroits où -ce il fait froid, donc les pirates... Euh, les pirates prime et les pirates cheap de l'ouest euh, canadien, on vous salue. Vous êtes dans l'hiver pas mal. Température euh, quand même assez hivernale, même si aujourd'hui on va repasser au-dessus de, au du point de congélation. C'est une bonne nouvelle, mais un peu de neige encore à certains endroits. Nous autres, on est dans le beau temps, donc c'est la bonne nouvelle. Il y a du monde qui capote. 21, 22 degrés en fin de semaine. Donc demain à Montréal, aux alentours de 20 degrés. Trois-Rivières, Québec également. Notre belle journée aujourd'hui, tant mieux. Et Carlos Ramirez nous dit, si vous le suivez sur Twitter d'ailleurs, que euh, le pattern météo avec la Nina risque d'être le même pattern pour les prochaines semaines. Il est possible qu'on entende les médias capoter dans les prochains jours, prochaines semaines pour parler d'un Noël pas blanc. Oh, ça, ça les fait capoter, Benred. Donc, oh boy. Euh, enjoy, sérieux, c'est de la belle température. Il y a des endroits dans l'Ouest qui, à l'inverse, vivent du temps. Pas mal frisquet, puis même jusqu'à loin en bas, Tiger, tu te grattes pas mal, mon, mon chum. On va te laisser aller, tiens, on va relaxer un peu. Radio Pirate Live euh, a plusieurs affaires à vous proposer dans les prochaines minutes. On a Eric Duhem qu'on va faire un tour avec nous autres, donc dans le prochain bloc. On a la boîte à pids avec euh, Jerry. On a également une poubelle à Jeff qui est toxique, c'est celle du euh, vendredi. Donc euh, elle est très, très, très toxique. Puis au début, ben, on aime ça parler des différentes nouvelles qui arrivent. Je sais que Mr. White a un petit audio. Peut-être que c'est la place pour euh, le faire jouer, euh, Mr. White? Ah, oh, j'étais obligé de me taper ça un matin. Là. Tu ça, me alors. dis tantôt, tu me dis, moi, je fais des choses pour toi qui sont incroyables. Donc, <laughs> tu fais ça contre ton désir et contre. Euh, en fait, c'est. Si tu pouvais t'en passer, tu t'en passerais ça. En réalité, normalement, si je vois ça passer dans mon fil, ça se peut que ça ne soit pas par, ça fasse pas partie des priorités des affaires que j'écoute. là. Mais c'était dans le show de, de Fernandez, parce que tu sais que Fernandez, l'ancien maire du plateau, a un show euh, prime time maintenant à Montréal. Oui, ben, les bouts que j'ai entendus, que tu me fais entendre, c'est euh, catastrophique. Oui. Même les, euh, même les, les, les pires station de radio communautaire en région, jamais présenté quelque chose d'aussi mauvais. <laughs> Et en plus de sans oublier que c'est c'est un... c'est un, un vrai de vrai communiste. Ah, lui, oui, c'est un vrai de vrai communiste. À... Là hier, il recevait un de tes préférés, euh, Fake Pat Lagacé, qui lui aussi est pas très bon à la radio, il a son propre show en fin de journée. Ça c'est une autre affaire. Écoutez, moi je viens d'une région, j'ai appris à faire de la radio à partir de 1984 dans une radio professionnelle. Puis je peux vous dire que si je prends la radio parlée de 1984 qu'on faisait à Chicoutimi, je salue les gens qui nous écoutent, qui étaient de cette équipe-là et qui m'ont appris beaucoup de choses. Je euh, vous dire une affaire, euh, ce n'était pas comparable à cette radio-là. Là. La radio qu'on faisait à l'époque était de bien meilleure qualité que qu ce que peut faire Fake Pat. Pas bon dans la presse. Encore pire à la radio, c'est quand même quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il avait à dire? De quoi il parlait? Ah, J'imagine. Ah, Elon Musk. Oui. Ah, il Elon parlait Musk. du sujet ben du ben moment. Ben oui, ben oui. Donc, il a reçu. Écoute, le segment, euh, parce que, euh, à ce que je comprends, Fernandez reçoit l'agacé une fois par jour pour faire un genre d'éditorial. Et le sujet, c'était Elon Musk. Et là, oh j'étais sorti. Mais là, j'ai dit, qu qu'est-ce que je garde de ça? Parce que. <laughs> C'était vraiment particulier. Puis là, je t'ai gardé une petite cote qui dure à peu près 50 secondes, là, qui mélange à peu près tout ce qui ont, tous les propos qui voulaient dire, tout le message qui voulait passer sur Elon Musk. Est-ce que je veux dire une affaire, c'est que les médias maintenant fonctionnent pour nous diviser? On on J'en ai parlé ce matin avec Jerry et Mr. White, bien sûr, avant que notre Chum Carlos de Ponecha se joigne à nous. J'ai parlé de la division dans laquelle nous vivons. Moi, je commence à trouver que c'est too much. Mm. Et comment ça a été créé? On essaie de faire à croire que c'est l'extrême droite. Puis ils ne parlent jamais de l'extrême gauche. C'est très rare qu'ils en parlent. Euh, c'est comprenable. Ils sont, ils sont dans cette gang-là. Mais euh, ils essaient de faire à croire que ça a été provoqué par, euh, justement, les Elon Musk de ce monde, les Trump, les Si, les Poiliev, les Duhem. La réalité, ce n'est pas ça pour tout. La, la, cette, cette division. Maintenant, qui est probablement euh, on ne pourra pas réparer ça. On ne pourra pas corriger ça. On en a parlé hier. Il y a des gens qui disent qu'il faut parler peser sur un reset, essayer de s'entendre, ça n'arrivera jamais. Il y a trop, on est trop dans. La polarisation est au max et c'est impossible que ça revienne. Mais ceux qui ont provoqué ça, ce sont ces gens-là, les gens qu'on va vous faire entendre, ce sont les médias qui nous ont divisés sur des affaires à peu près. C'est rien, excusez-moi. Que c'est qu'on a à foutre que Elon Musk s'ajète Twitter? Puis qu'en plus, son but c'est d'enlever la censure y avait le penchant idéologique où quand avait une euh, des des tweets plus euh, axés sur un bord que de l'autre était plus pénalisé. Le gars veut maintenant une certaine justice, une liberté d'expression. Tout le monde doit être pour ça. Ben oui. Mais la gang de Montréal ne veulent pas. Mmh. Qu'est-ce que ça prouve sur eux C'est incroyable. Ce sont carrément des diviseurs, des gens dangereux. J'ai hâte, ben, hâte des noms d'entendre, mais j'imagine que je vais entendre des. des... J'ai comme le feeling qu'on sera aux <laughs> portes de la conspiration. Mon feeling, c'est ça. On sera quasiment. C'est quoi l'autre terme qu'on utilise souvent? Conspiration, puis il euh, y a. Euh... Oh, peu importe. Ouais. Y a, y a, on utilise souvent ces termes-là pour essayer de rire de ce qui s'est passé pendant la COVID. Mais eux autres, ils s'entendent pas puis ils se voient pas. Donc, quel code on a joué? Voici avec la numéro 4. La numéro 4. Ah! Non, excusez, ça, c'est mm. le, 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 les bureaux de Twitter. Ça, c'est la... les bureaux de Twitter oui, en, attendant, oui, en, attendant. en attendant de voir s'ils vont garder le job. Le mot que je cherchais, c'est complotiste. Oui, c'est complotiste. Ah, Donc, complotiste. conspirationniste et complotiste, on était aux portes de ça. Numéro 5. Numéro 5. Un gars comme ça, c'est un tyran. La, 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 la caractéristique même des tyrans. Euh, qui sont narcissiques, c'est d'exiger de, <laughs> de toi que tu les suives ou qu'ils aillent. C'est-à-dire euh, de changer de position. Incroyable. Et quels que soient les changements de position, quelles que soient les, les annonces, les changements d'humeur, les, euh, les surprises, il s'attend à être suivi. Et s'il ne l'est pas, il rentre dans une grande colère. Écoute, quand tu bah, décides, quand, quand ouais, tu retweets, par exemple, une photo de Justin Trudeau en, en Hitler, ouais. quand tu es toujours en train de dire que euh, tout est trop « woke », euh, que tout ce qui n'est pas à droite et woke et dangereux, ben écoute, on peut commencer à penser que toi, selon les définitions modernes, t'es peut-être d'extrême droite. Ah! Euh, et lui, c'est pas ah, ça un ça dirigeant savait. de pays, c'est pas un dirigeant de parti. Je mais savais. <laughs> quand il est arrivé, l'extrême droite américaine saute ah, ça à ça que, on euh, peut en conclure que. Tu à vos propres conclusions. <rire> <rire> Je le savais. Euh, son sont prévisibles. Je n'avais ah pas oui. entendu un cas de zéro. Oh Je oui. le savais oui. qu'on allait aller là. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils sont <laughs> incroyables. La fille, la leader de d'elle, c'est une gauche une gauche très, très, très à gauche. Euh, Ocasio cortez je ne sais pas trop quoi. Alexandro, Alexandro, Alexandria, je ne sais pas trop. Là. Et aussi, OK? Oui, Barbada. Euh, et aussi, elle, elle plante, moi, c'est comme eux autres, ben, elle est de la même gang. Et elle plante, elle plante, puis là, elle plante, puis c'est puis il va me charger 8 par mois pour mettre de la petite bulle, puis <laughs> c'est décoeurant, ça n'a ouais. pas de bon sens. Il ne faut pas rien que de te demander 8 pièces par mois, de te donner une bulle. Il va te donner aussi la possibilité, si tu fais un discours de 5 minutes, de le mettre au complet. Est ce que tu n'as pas en ce moment, tu dois arrêter à deux. Donc, il va donner plein d'options. Plein puis, puis, tu quoi, si tu ne veux pas le payer, tu ne le payes pas. Ce n'est pas grave, là, tu ne le pas. puis, tu vas être comme le monde normal. Et Mais... aussi qu'il se déplace en transport en commun. Non, et aussi, elle ah! a une Tesla. Ah! Oui. Ah, non, non, non. Merci de m'encourager. ben, ben ah, c'est ça. ça. Il est de l'enfer. Un oui. beau produit. J'aime ma voiture. Ben oui, je, merci. Je ne pollue plus. Puis je peux maintenant ça. être. Je peux, mon discours peut fitter avec ce que j'ai, comme, comme, comme genre de vie que j'ai. Donc, merci, Elon Musk. Non, là maintenant. Alors que c'est. Le gars était démocrate toute sa vie, by the way. Mm -hmm. C'est juste qu'il trouve que les démocrates sont des, maintenant des censeurs. Ils sont devenus dangereux. Et il a juste il a juste, il a juste décidé de se tasser un peu. Donc, c'est l'inverse. Que ce que Patrick Lagacé nous raconte c est, c est, c est il complètement l'inverse. Il il c'est que. Non, mais en plus, c'est l'inverse. C'est que Mettons que es, c'est l'autre gang qui s'en va vers la gauche extrême. Ah oui. Si on s'entend, c'est. On a tassé, toute la société a tassé vers la gauche extrême avec les woke et tout ce qu'on a. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en est pas aperçu. Au Québec, c'est euh, QS qui nous a amenés vers la gauche extrême. Donc maintenant, il n'y a plus rien à droite. Puis tu sais, je me dirais même que la, même le Parti conservateur du Québec n'était pas un parti vraiment de droite. Quand on regarde ça, c'était un parti de centre-droit. Il n'y euh, avait pas vraiment de droite parce que tout le monde est tellement à gauche, incluant la CAQ qui est centre-gauche facile, même gauche, tout simplement. Donc, on est tellement tassé vers la gauche que tous ceux qui sont à droite de l'extrême-gauche sont maintenant vus comme étant de l'extrême droite. Ça, c'est. pour ça que je vous dis qu'on pourra pas s'entendre. On ne pourra pas s'entendre. Si Elon Musk. Et maintenant, étiqueté extrême droite. On a un bug, là. Euh, on a un problème. On a un gros, 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 gros problème. Et ce sont... S'il ouais, y a des ticayes qui parlent de ça d'une discussion autour d'une bière parce qu'ils sont un peu perdus au niveau politique, c'est correct, là, on a le droit de le faire. Mais là, je veux dire, ce sont des leaders d'opinion à Montréal, entendus, élus à la grandeur du Québec. Demandez-vous pas pourquoi le Québec est fucking même, là. Et, by the way, juste vous dire une affaire de même, là. Je regarde un peu ce qui se raconte sur le Québec. Entre autres, dans le National Post aujourd'hui, où on se fait traiter de xénophobe. D'après euh, moi, le Québec, on a nos petites affaires à régler avant de s'occuper de Elon Musk et de Twitter. <laughs> on a un paquet, paquet de choses à s'occuper, pas à peu près, parce qu'il y, 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 y a des. y a des sujets sérieux pour le Québec qui risquent d'avoir un impact dans notre futur, qui sont en train de se jouer. Puis sais du quoi? Ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Chris Saley, ce matin dans le New York Post, Québec euh, veut être accommodé par Ottawa pour continuer son agenda xénophobique. Ça, c'est. Ça, c'est. pas une bonne pub, ça. Là. Ça, c'est l'éditorial du National Post oui, d'aujourd'hui. Diffusé à la grandeur. Et la photo, c'est la photo du PM. Le, le PM, là, si nous autres, on voit Elon Musk comme étant quelqu'un de dangereux, là. Mais dites-vous que ceux qui vous disent ça, les gens qui vous ont, ils vous ont ces gens-là vous ont dit de voter pour Legault. Mais eh Legault, à la grandeur du Canada, à plus petite échelle, il fait plus peur qu'une masque. Donc, euh, d'après moi, on est mieux, de, <laughs> on est mieux de s'occuper de notre cour. D'après moi, la, de mon feeling de même, c'est que la cour est bourrée de faire nettoyer. Là. On va nettoyer la place avant, on va s'occuper de celle des autres. Petit euh, petite, clin d'œil sympathique pour commencer ce vendredi-là. Euh, on a un pirate. Je vais faire attention parce que j'ai mis une lasagne la semaine passée et oh, ça a mis lasagne. en feu le Québec. Lasagne? Ah oui. De montrer l'inflation de la lasagne en un an de Costco, il y, en qui, il y en a qui ont complètement viré fou. Donc, je vais faire attention. Mais vu que ça les, ça les fait capoter, on va le faire pareil encore. Euh, je ne sais pas où on s'en va, mais ce matin. Femme d'un. Ben je pense que c'est une pirate aussi, parce qu'en tout cas, son chum est un méga pirate. Yves est salué. Euh, Montréal, ce matin, donc. Euh, je me demandais, je me dis peut qu'elle est à Toronto, parce qu'ils vivent à Montréal. Et toast avocado. Donc, oui. euh, là-dessus, il y a un œuf poché, des, un, du cream cheese avec des herbes, oui. puis j'imagine un peu d'avocat, tu sais. C'est euh, ça. Et que sur, une, sur un petit crouche-crouche de toast. Donc. Allons-y un peu. Mettons qu'on ne prend pas l'avocat chez Panier Extra. On le paye deux pièces. Oui. L'œuf, 30 cents. Puis après ça, cream cheese, quoi? 70 cents de cream cheese? Oui. Ou 50 cents? Mais 50. Cents. 40 cents de cream cheese? Ils l'ont quand même vendu 25 dollars matin. Là. Plus type et plus pour boire. Oui. <laughs> C'est une toast. <laughs> une... Oui, regarde, check la toast. C'est la toast qui parle en plus. Puis il n'y a pas de S à egg. Il n'y a pas de S à. Non, non c'est un œuf poché. Un œuf. Un coco. Il n'y a pas de deux cocos. Un coco. Un petit coco. Un coco. 25 bâtons. J'en ai un autre. J'ai un autre pirate qui a été euh, travaillé à Montréal pendant quelques jours pour son travail. Donc, euh, il a passé la nuit. Euh, il y a trois nuits, je pense. Trois nuits à l'hôtel. C'est pas un hôtel, C'est pas un hôtel de luxe, c'est un hôtel normal. Donc, euh, la facture. 575 OK, 575 dollars quelques pièces la nuit. OK, parfait. Mais taxes, 28 pièces là, une pièce ici, 57 et 35 là, deux pièces là, 20 pièces là, ça finit plus les taxes dans l'hôtellerie Finalement 20 de taxes, 684 et 25 pour une chambre d'hôtel bien normale. Là. Ça pas de sens. Okay. Non, Non, ça pas sens. <laughs> Je t'étourdis. <laughs> c'est. Wouh! Dur. Euh, du, capoté, là. Du, c'est vraiment, vraiment, vraiment capoté. Donc, euh, les prix, je ne sais pas comment on va, on va, on va faire pour continuer là-dedans. J'en ai aucune idée, mais je vais te dire de quoi ça va, être, ça va être tough. Ce matin, dans les nouvelles, il y a dans la presse une mère qui a perdu son fils. On est parents, on sait que c'est la dernière chose qu'on veut vivre. Son fils s'appelle Émile-Antoine euh, Émile Roy-Ciroy. Donc, il a 31 ans. Euh, mort le 18 juillet dernier, en train de combattre la guerre en Ukraine. Et ouais. sa mère, Marie-France, a de la peine, là. Puis on respecte ça. Et elle a dit là, elle a dit euh, personne ne m'appuie. Le gouvernement ukrainien ne s'est pas occupé de nous autres. Mon gouvernement canadien ne s'est pas occupé de nous autres. Elle a dit je me sens complètement abandonné. Son gars, euh, je pense que son gars étudiait à... Je pense que son gars à l'université... Euh, c'est ça, il, était, il étudiait en philosophie. Il étudiait en philosophie, puis il allait faire un genre, de, un genre de certificat au HEC un peu plus tard. C'est un jeune homme de 31 ans, du bois Saint-Laurent. On partage la peine de la mère, c'est clair. Je vais dire comme euh, le mangeur de fromage en crotte. C'est pas une bonne idée, là je veux dire, euh... c'est la vraie, c'est la vraie guerre. Ça se peut qu que tu reviennes pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas Mme Serrois, puis je ne connais pas son fils non plus. Mm. Puis je sais pas les discussions qu'ils ont eues. Mais Mme Serrois doit comprendre une chose. Ben, un, à quoi s'attendait? Qu'est-ce qu'il faisait là? oh, mon fils, que je comprends. » Puis je ne sais pas si Mme Sirois avait des drapeaux de, de l'Ukraine quand la guerre a commencé. Ils ont été pris en embuscade, puis ils se sont fait tirer. Oui, mais... Lui et ses compagnons. C'est relié à la folie qu'on a pris un bord dans cette guerre-là au départ, alors que l'Ukraine est un pays de marde. L'Ukraine, c'est un pays corrompu et un pays de marde. OK la Russie, c'est un pays bizarre, c'est un pays probablement de marde aussi, je le connais. Mais je sais une chose, c'est qu'un des pays les un des plus, les pays les plus corrompus de la boule, c'est euh, l'Ukraine. Tout le monde est tombé. Il semblerait même que Biden, récemment, a pogné l'air après le président de l'Ukraine en disant Là, tu vas arrêter de me demander de l'argent là. là, enough is enough. Tu vas arrêter de me, me menacer, de m'appeler aux deux jours, de me demander un milliard aux deux jours. Enough is enough. Ça a l'air que même Biden a pas l'air. Même lui commence à allumer que. C'est tu qu'on se fasse manipuler un peu dans cette histoire-là. Mais je veux dire, là, là... Je vous dis ça de même. Je sais que là, en ce moment, ça n'arrive pas. Mais et, si ça arrive dans une autre histoire, je sais comment on est devenu. On est devenu comme dépendant de vivre quelque chose qui se passe dans le. On vient comme fou un peu. Dans l'histoire de la COVID, on est venu fou. Dans l'histoire de l'Ukraine contre la Russie, on est venu un peu fou. La prochaine qui va arriver, on, on fait ça aussi avec le climat. Il faut se calmer, les nerfs. Ce qui est écrit dans le journal, c'est tout de la merde. Vous êtes manipulés par des gens qui veulent juste des fucking clics. Tout ce qu'ils vous racontent, c'est de la c'est de la c'est de, de, de la bullshit. Ils veulent jouer avec vos émotions, ils jouent avec la peur, ils vous manipulent, ils s'arrangent pour essayer de vous faire prendre un clan. Ils ils, ils décident à l'avance qui est le bon, qui est le méchant. C'est une histoire dans laquelle vous êtes amené. Vous le voyez, ils font avec on le fait entendre tantôt. Ils font avec l'histoire de Twitter. Là. Ils font avec l'histoire de Elon Musk. Ils sont en train de, baser, de, de, de bâtir un genre de, 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 de genre d'histoire, de, un genre de bande dessinée. Un, un, un film de super héros le méchant les, le héros les autres ont toujours les héros comment tu dis ils l'ont fait avec l'aréna euh, en Arizona oui on a vu l'exemple bien ils font, ben, ils sont même prêts à le faire. ils sont même prêts à le faire avec une fucking équipe d'Hockey. imaginez-vous imaginez-vous quand vous ce que je veux vous dire on ne peut rien faire pour cette femme là on ne peut rien faire pour ce jeune homme là c'est triste c'est écœurant, ça fait ça fait mal c'est une vie qui aurait pas dû être perdue parce que dans les faits ce gars là n'avait pas d'affaire là lui, il a vu à la fin février, l'hiver passé, euh, il a vu dans les médias, justement, que voilà. le président ukrainien, il a lancé un genre d'appel aux volontaires étrangers. Venez nous aider. C'est comme un genre d'appel comme ça. Lui, s'est senti interpellé. Puis à un moment donné, bien, le gouvernement du Canada a dit, oui, euh, il y avait ça, Affaires mondiales Canada. Ils ont levé le flag un peu. Ils ont dit, non, non attendez un peu. Là. Vous n'êtes pas des... Euh, un, vous êtes, lui, c'était pas un militaire. Là. Non, puis t'es pas ukrainien non plus. C'est ça. Là. Ils ont comme un peu levé le flag, euh, mais quand même, lui, il s'est senti interpellé, puis il est parti. Il dit il faut que je parte. J'ai pris une grosse décision, puis euh, je m'en vais me battre là-bas pour l'Ukraine. Pour oui. Puis, écoute, c'est un adulte, il fait ce qu'il veut, il a 31 J'suis ans. Je comprends. Mais comme parent, puis on décide pas grand-chose à un certain moment donné. On donne le mieux qu'on peut à nos enfants. Mais je sais que là, dans l'époque où on est, puis que. Euh, on a tendance à comme vouloir suivre nos enfants, puis à, ils ont leur vie, etc. Donné, tu peux mettre ton pied à terre. Tu veux dire, garçon, Et tu tombé sur la tête, je vais le voir. C'est ta mère qui te parle. Là. Euh, ce qu'ils raconte dans le journal, puis ce qu'ils racontent à TV, puis ce qu'ils racontent mmh. à Radio-Canada, c'est bien beau. Là. On a bien de la peine pour les gens de l'Ukraine, puis. Mais sais-tu quoi? C'est pas notre affaire. Reste à la maison, occupe-toi de ta blonde, regarde ta job, puis ils vont s'arranger avec leurs affaires. Là. D'autres, on peut juste espérer que ça se termine au plus sacrant, mais on ne tombe pas dans le drame. Ce n'est pas notre drame. La raison pourquoi je le dis, c'est que pour lui, il est trop tard. Puis cette guerre-là, vous-dessus, on s'est comme détaché de cette guerre-là. Mais vous savez quoi? Il va en arriver un autre histoire de virus. On a essayé d'en monter un, avec le, le variole du singe, ça n'a pas, pas levé. On a essayé d'enlever un autre. Mais on va trouver de quoi? Faites-vous-en pas. On va trouver une guerre. On va trouver un Elon Musk et un autre. On va trouver quelque chose pour vous craquer. Euh, donné, il faut diminuer euh, l'intensité émotionnelle. Et ça, ben, c'est un jeu dans lequel les médias traditionnels pour survivre, c'est avec c'est ça qui touche pour essayer de vous garder euh, accrochés à leurs nouvelles, accroché à leur site web, accroché à leur mmh. Facebook pour que vous soyez tout le temps en train de cliquer puis de mordre à l'hameçon. maison. c'est un truc vieux comme la Terre. Mais malheureusement, il y a des gens, je vous le dis, là, ce gars-là est mort. Et c'est les médias du Québec et du Canada qui ont du sang sur les mains. Là. Moi, je vois jusque-là, là. là le, le, Avez-vous vu qu'ils ont passé à autre chose? Avez-vous avez -vous comment ils sont salauds? Comment il, il faut. Rappelez-vous de ça. Là. La guerre en Ukraine dans ces médias-là n'existe plus. Là. Quand ils ont vu que les clics ont descendu, ils ont abandonné, ils ont trouvé un autre méchant ailleurs. On a à apprendre de ça. C'est ça que je vais vous dire. On a à apprendre de ça. On a à apprendre. On a, des, on a, nos, on a nos défis à nous autres. On a nos patentes à s'occuper. Mmh. On a nos choses ici. Il y, a des, il, y a des, il y a des enfants qui... Vous savez quoi? Regardez, on va s'occuper, avant de s'occuper d'ailleurs, des histoires de que les médias nous montrent. Il y a quand même euh, des, 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 des histoires euh, qui poignent au cœur ici. Là si vous êtes un enfant de couleur puis que la DPJ vous ramasse puis que la DPJ veut vous faire adopter par une famille, mais ben les familles québécoises ne le prennent pas, là. Oui. La DPJ a de la misère à trouver. Mais il n'en trouve pas bien, bien. Il n'en trouve pas zéro, là. Il y a euh, 400 000 enfants au Québec qui n'ont pas de docteur, là. Y a, je, peux, je peux vous en trouver. Des, mm. des, si vous en cherchez des nouvelles... Pour des, des choses importantes dans notre société qu'on devrait s'occuper avant d'aller s'occuper de la guerre, d'une guerre qu'on qu trouve déplorable, mais qui on n'a rien à voir là-dedans. On, on subit les conséquences de la guerre. C'est ça. Mais je veux dire, la patente, on est. Euh, on a rien. On n'a rien à voir là-dedans. Mais les médias vous embarquent dans eux. Ils font ça tout le temps. Il, à chaque jour, ils essaient de bâtir un nouveau Covid. C'est un drame sur, sur lequel ils peuvent s'appuyer pendant. On était chanceux pendant quatre ans ils ont eu Trump. Après, ils ont, à la fin de Trump, ils ont eu la Covid. Ensuite, ils ont eu euh, la guerre. Ensuite, c'était Poutine en fait compte. C'était Poutine. Oh oui. Là, ils ont Mosque. La semaine prochaine, ça va être un autre. Semaine, parce que ça va finir, le mois ça va finir. Au bout d'une semaine, les gens vont moins cliquer, puis ils vont. Mm -hmm. Parce que là, tout le monde dit Ah, moi, c'est un, un salaud, c'est un écœurant. Moi, je ne vais pas m'acheter une Tesla. C'est ici, ça. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Mais ça, c'est notre, notre drame quotidien. Il faut. Parce que ça, c'est une vraie histoire. Là. Il y a quelqu'un qui a décidé après avoir écouté la TV et lui, il il a décidé de s'enrôler dans la, dans la brigade ukrainienne bourrée mm -hmm. de gens sans expérience pour aller à la guerre. Et il est revenu d'une boîte. Alors, en fait, il est même pas revenu. Quel âge qu'il avait, lui? 31 ans. Il y, a des, il y a des conséquences à la psychose médiatique québécoise. Tu sais, une chambre d'hockey, puis l'histoire, c'est coyote de voir comment ils sont là-bas pour essayer de nous crosser et nous désinformer. Quand on les poigne, c'est juste drôle. Mais quand la conséquence est que le kid est parti en avion. Aller chercher des guns en Ukraine Ça, pas drôle. et dans l'année dans une guerre qu'il n'y a pas d'affaires, puis en plus il n'y a pas d'expérience, et que finalement il se fait tuer, la madame n'est même pas capable d'avoir son corps ici. Là, 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 là c'est un Là, c'est un freak show plus drôle. Là. Mais c'est le freak show des médias! Il faut se rappeler, tu parles de la guerre. À un moment donné, les médias étaient partis sur une chire d'envoyer l'armée de euh, l'OTAN sur, sur le terrain. Là lever le pied un peu, là. là. Ils On ils ont, ils ont, ils ont ils ont partirait pas à la 3e... troisième guerre mondiale, là, là. Attends, ben, euh, ils ont euh, tout fait. Ils ont tout fait. C'est la... euh... ça qu'ils voulaient au départ. Ben oui, c'est ça qu'ils voulaient certains. Ils voulaient l'intervention du Canada, de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique. Ils voulaient que l'OTAN embarque là-dedans et qu'on parte une guerre oui. mondiale. Juste pour un show, là. Parce que la COVID finissait. Je vous le dis. Je ne suis pas saucé, là. Les saucés, c'est eux autres. Là. Hey, ils appellent Elon Musk un gars d'extrême droite. Ils sont -ils saucés. Ils sont complotistes. Ils sont dans le complot par-dessus la tête. C'est eux autres, les complotistes. Les extrémistes, c'est eux autres. Médias, pas juste au Québec, un peu partout. Mais au Québec, ils sont saucés, pas à peu près. Petite place, mode survie. Très tough de survivre en ce moment dans le nouvel univers. Très, très top. Mon nom est Jeff Fillion. Bienvenue sur Radio Pirate Live de ce vendredi. La boîte à pizza s'en vient, la poubelle toxique et également Eric Duhem. Radio Pirate. 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 Radio Pirate.com. -Pirate. 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 A definite breakthrough step in home entertainment. Les amis, Eric Duhem est avec nous autres. faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh... Une grippette euh, bronchite euh, la semaine passée, genre? Bon, le l'humidus correct. C'est la première journée que je me sens top shape. OK. Que je tousse plus. Beaucoup que je de monde ont des gens de bronchite, euh, puis elle était tough. On, on s'est caché beaucoup, il hein, ne faut pas oublier. Oui. Donc on, on paye mais les elle prix. Elle était particulièrement là, dégueulasse. C'était comme. Euh, moi, j'ai souvent eu mal à la gorge, sais j'étais congestionné du nez, mais des bronches, c'est la première ouais. fois que je t'étais pogné de même. As tu étais obligé de prendre des antibiotiques? Un peu, oui. Oui. Hé, hey, euh, Eric, bienvenue, on est content de te voir. Euh, plusieurs, aff plusieurs affaires à jaser, beaucoup d'affaires à jaser. On en parlait avant de, avant de rentrer en ondes. Est-ce que c'est le... Euh, je sais qu'on a, a bien des défis, là, mais... Euh, des défis de gestion du D2D, mais... Moi, je pense quand même que... Cette semaine, ce qui est arrivé, là... Puis je sais qu'à l'intérieur du Parti conservateur, on en parlait en ondes avant de, de rentrer. Ça va être un sujet quand même important dans la prochaine année. Vers où vous en allez. Mais garde, je te guide vers quelque chose, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Là, on a euh, on a les libéraux. Puis je ne sais pas si les conservateurs ne feront pas une patente, parce que j'ai trouvé que Poilier avait été très tranquille cette semaine. Puis plusieurs l'ont remarqué. Donc, on a un défi au Canada. On, est, on, on vieillit. Il faut rentrer du monde. Il faut que le Canada s'enrichisse. Une des manières de s'enrichir, c'est l'immigration. OK. Donc, eux autres ils disent 450, 480. Ils montent jusqu'à 500 dans quelques années. Puis là, bien, t'as euh, au Québec, puis je sais, puis là, ce matin, il y a un texte dans National Post qui nous, qui nous montre la photo de Lego, puis ils nous traite comme une société de xénophobe carrément. Euh, donc, t'as Logo, qui lui, euh, on le sait clairement, sa position, c'est quoi? Donc, eux autres euh, sont caribous, anti, pas, pas anti immigration mais euh, ils n'aiment pas bien ça, l'immigration. Ils ont peur de perdre la langue. Il y a un défi de langue, etc. Mais là, si je prends des maths de base, 500 000 qui rentrent d'une année au Canada, puis on prend 40 000 de ça, on est en bas de 10 puis on représente 21 de la population canadienne. Ça veut dire que d'année en année, pour le futur de mes enfants, le Québec va être moins riche et moins performant, parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec tire de l'argent de la péréquation depuis toujours. Je ne vois pas quand ça va changer, mais plus on va diminuer en importance au Canada, plus ça, ça va diminuer. Puis aussi, on le voit là. T'sais, on a juste regardé un match des Raptors pour voir la diversité dans, dans, dans l'aréna. Donc, ça doit amener un peu de richesse, ces gens-là, là, contrairement à ce que François Legault dit. C'est un maudit gros sujet, le sujet de l'immigration au Québec. Oui. Tu sais, on n'en parle pas de manière très émotive. Donc, on n'en parle pas de manière intelligente. Non. Puis c'est encore pire que ce que tu viens de dire. Là. Je ne veux pas faire paniquer le monde, mais quand tu dis on est juste 21, puis si, si on a juste 10 de l'immigration au moins, on va décliner, mais c'est pas juste ça. C'est qu'on se reproduit aussi moins vite que le Canada anglais en plus. Là. En plus. Fait qu'on a une double pression. C'est évident qu'il faut faire quelque chose. Ça prend des politiques aussi natalistes. Ça prend. Je veux dire, il faut qu'on qu ait du monde, là. ça prend du monde au Québec, parce que on... sinon, on va être une société qui va décliner. C'est aussi simple que ça. On est déjà une société vieillissante. D'ailleurs, ceux qui se découragent du résultat des élections, là. Mais beaucoup que ça a été ça, beaucoup, beaucoup un vote générationnel. ça. Bon. Fait Il y a ça. L'immigration, évidemment, ne réglera pas tous les problèmes, dans le, dans le sens où, même si tu rentrais bien des immigrants, eux autres aussi ont besoin de services, puis tout ça, ça ne réglera pas nécessairement tous les problèmes. Il va falloir qu'on travaille plus aussi. Hein, les Québécois, on le sait, là, on travaille deux ans de moins que les Canadiens-Anglais en moyenne, puis qui, déjà, eux autres, travaillent moins que les Américains. On prend notre retraite plus vite. Oui. On, on, on travaille. Mais les gens, de, on l'a vu, là, 65 ans et plus. Mettons, au Japon, 70 des gens de 65 ans et plus travaillent. Nous autres, 35 des gens travaillent, donc le reste sont déjà en retraite, ils ne font rien. Puis, euh, aucune productivité de ces gens-là. Ça, c'est un problème. Et je... Mais ça va tout ensemble, Jeff. Oui, oui, je on, on a tous les pires de toutes. Ouais, est, on, mais... a, tout, on, on a un taux de natalité le plus bas. Ouais, mais le plus on gros a une moins grand que les autres. Puis, en plus, on a un taux de productivité plus bas. On prend notre retraite plus de bonheur. Fait qu'est-ce qui arrive? Il arrive que tu n'as plus de monde travaillé. Fait que la pénurie de main d'œuvre elle va nous affecter encore plus que les autres. Là, comment on va régler ça? D'abord, la question du français, c'est sûr que c'est au cœur du débat. Euh, les Québécois, puis ont à juste titre, là, ils ont raison d'avoir, de, de, de mettre l'emphase sur le fait que les immigrants doivent apprendre le français. Cela étant dit, quand tu fais des campagnes électorales, comme j'ai fait depuis plusieurs mois, puis tu fais des tournées partout au Québec, tu vas dans des usines partout dans les régions, puis dans le fin fond d'un rang, dans, dans une région éloignée, là, T'arrives là, puis il y a des travailleurs étrangers qui sont là. Puis ces gens-là, ils s'assimilent pas à l'anglais. Ils parlent français. Ben, c'est ça. Ça prend un an ou deux, là, puis ils parlent français comme nous. Là, avec yes, un accent, sur Radio là. Pirate Prime, là, je parlais d'une compagnie, je fais affaire avec euh, Gérald, au bord de la rue, Fresneco qui a son usine à Port-Neuf-Port-Neuf. Portneuf. New York-New York, Port-Neuf-Port-Neuf. New York, Port-Neuf-Port-Neuf. Puis Portneuf. Jim est allé faire un Jim qui a fait tes vidéos pour ta campagne. Oui, Jimmy. Jim est allé faire un, un vidéo corporatif dans cette compagnie-là, puis il m'a entendu. Après, il dit Jeff, il dit ce que tu as raconté, c'est carrément ça. Là, tu es dans le fin fond de Port-Neuf, où qu'habituellement tu as 200 employés qui étaient tous des gens du coin. Okay? Quand son père, a, a Gérald, puis son frère, quand le père a parti à la compagnie, ils font des trosses de maison, puis des toits, puis des, des, des planchers, puis des murs. Là. Il dit C'est tous tout des gens du coin. Mais là, il a manqué de gens du coin, parce que ouais. tout le monde cherchait de la main doeuvre Donc, les autres se sont tournés le bord. Il y a des, euh, des dessinateurs qui travaillent au, au Vietnam la nuit. Il y en a six qui travaillent pour eux autres. Et ils ont fait venir des Mexicains, mais ils sont comme poignés sur le nombre parce qu'ils n'ont pas le droit de n'avoir. Mais il y en a quand même quasiment à moitié dans la place. Puis Gérald me contait. Il dit hey, Moi, quand je vois des party, c'est capoté. Là. Il dit Les Mexicains parlent français. Les enfants, c'est réglé. Les Mexicains qui sont là depuis 4-5 ans commencent à parler baragouiné du français. Les gars, de, les gens de Portneuf qui sont à l'usine, qui étaient là depuis toujours, commencent à baragouiner du, euh, de, de l'espagnol, ça prend de la bière, ça mange des burritos, ça rit ensemble. C'est pas mal ça qu'on va avoir. Là. Mais c'est sûr. Mais ça va finir par ça va finir par des, les enfants qui vont parler avec un, avec un accent de Québec. Ou si sont au Saguenay, ils vont avoir un accent du Saguenay. Moi, je l'ai vécu dans ma jeunesse. J'ai été élevé avec des Portugais, des, des Italiens. Euh, surprenant au Saguenay, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le père avait un accent de la misère à le comprendre, mais les jeunes, ils parlaient avec l'accent du lac Saint-Jean. Un, un, un de mes candidats qui était dans ta famille, qui a vécu ça. Karim, euh, c'est l'enfer. Karim, c'est exactement ça. <laughs> fait que Je veux dire, c'est une réalité, ce n'est pas une question idéologique. Le sais, Jean Boulet, qui dit que 80% ne parlent pas français, ils travaillent pas. Là, pis ça, ça, ça véhicule des préjugés, mais la réalité n'est pas là, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Là. Ces gens-là travaillent autant, sinon plus que nous, dépendamment de quelle communauté, là, mais il y a plusieurs communautés qui travaillent pas mal plus que les Québécois francophones de vieille souche. Là. Et, et donc, le... mais au niveau générationnel, je reviens sur l'impact des générations, il y a un clivage, parce que les plus jeunes ont vécu ça. Tu sais, les, 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 les enfants des Mexicains dont tu parles à par neuf, mais eux autres, qui ont été ils à l'école avec des, 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 des petits tremblés. Là. Exactement. Et eux autres, là, ils ne voient pas la différence. Mais la grand-mère, là, a peur. Fait que là, il y a une espèce de fossé générationnel sur la question Bien, de la Le sondage. Le sondage Et... est sondage a sorti, c'est 75 des gens qui n'en veulent pas plus. Donc, tu sais, ultimement, toi comme chef de parti, puis moi comme gars de radio, puis qui essaie de, de brosser des affaires... Ben C'est sûr que tu ne bois pas avec un sujet aussi euh, émotif pendant 30 ans de temps. Là. À un moment donné, tu tranches, tu prends un bord ou de l'autre, tu dis « Regarde, I rest my case, j'ai fait ce que j'avais à faire. » Les Québécois, ils n'en veulent pas beaucoup, mais au nom de la langue, au nom des coutumes, au nom de la culture, mais là, tu leur exposes le fait « OK, parfait, on va suivre ce que vous dites, mais on va disparaître. » Mais la proposition que j'avais faite au congrès, hein? puis je vais leur proposer cette année, là, on a un autre congrès en 2023. Il y a deux choses. D'abord… Les... Quand on est en pénurie de main-d'œuvre, il faut augmenter. On n'a pas le choix. Il faut, faut trouver plus de travailleurs. Oui, on peut, par exemple, on l'a fait en campagne électorale, offrir à des travailleurs plus âgés des crédits d'impôt pour qu'ils puissent continuer à travailler, puis pour pas que ça, ça les pénalise puis qu'ils aient l'impression de travailler pour rien. Fait que, euh, s'assurer que les personnes âgées reviennent le plus possible au travail, ça c'est un apport important qu'il faut. Puis le gouvernement doit faire quelque chose. J'espère que la CAC va nous voler nos idées là-dessus. Mais ça va prendre aussi des immigrants. Fait que si on est en pénurie de main-d'œuvre, il faut qu'on accepte qu'on va augmenter les seuils. Puis dire qu'on va les diminuer si et seulement si il y a une période de chômage trop important. Puis ça peut arriver là, parce qu'on s'en va vers une crise économique. Je ne sais pas comment on va sortir de ça. Là. Mais euh, même à Ottawa, ils ont commencé hier, vu, à te faire mise à jour oui. économique. Là, on commence à nous dire que ça va peut-être nous frapper plus fort qu'on pensait. Là. Exact. exact. Et donc, euh, c'est sûr que s'il y a un taux de chômage très élevé, ce peut-être pas une, meilleure, une bonne idée d'augmenter les et seuils. vas-tu incapable de le passer parce que dans le parti. Dans la gang qui que, qu se sont, sont levés contre les mesures. C'est un, un melting pot, le Parti conservateur du Québec, avec l'histoire de la COVID. Comme tous les partis en passant. Oui, oh, oui, mais on, on, mettons, on aurait imaginé le Parti conservateur il y a cinq ans, pas de COVID. On ne voyait pas une, une clientèle aussi hétéroclite que, que tu as eu. Mm. Euh, il y aurait eu moins de QS. Euh, oui, c'est ça. Il <rost> y aurait eu moins de QS. Donc, ce n'est pas, <vo Aff power> pas nécessairement des gens âgés. Il y en avait des boomers dans, dans le Parti conservateur, mais je <space> dis en général, c'est des gens X à peu près. Puis dans cette gang-là, puis surprenamment, ce n'est pas en région, c'est plus, de ce que j'entends, c'est plus à Montréal qu'il y a une résistance à l'immigration parce qu'eux sont entourés d'anglophones. Eux, ils y en ont, des immigrants, puis ils ont peut-être un peu de misère avec certaines coutumes ou certaines affaires. Comment tu vas faire pour mm -hmm. essayer de passer ça? Parce que moi, je, je, je me sens seul un peu, puis je sais que je sais ta position, puis j'ai vu ta campagne, puis je sais qu'à l'impérial, on va parler de tantôt de... Tout ce a essayé de soulever, là, sa grenouille, l'histoire de Joe, euh, le, ton, 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 ton chef de chef de cabinet que tu avais, avais à ce moment-là. On en parlera tantôt, mais veux veux pas les histoires qu'on soulève actuellement sur le Parti conservateur du Québec puis que les journalistes veulent que le feu poigne pour que, genre de, que, que, que finalement le parti implose. C'est tout relié un peu à l'histoire de, de, de l'immigration. La bon, base, as raison sur la, le clivage Montréal versus le reste du Québec, mais c'est pas vrai au... Au Parti conservateur du Québec, c'est vrai dans toute oui, tout, la tout société monde. de façon générale. Rappelez-vous que le mouvement indépendantiste, là où il était le plus fort, c'était dans l'Est de Montréal. Oui. Euh, puis c'est pas pour rien, c'est que les Montréalais sont quotidiennement confrontés aux anglophones, aux immigrants. Eux autres, qui vivent une, une diversité ou un, un choc qui n'existe pas ailleurs au Québec, en tout cas, qui est pas la, ça n'a pas la même signification. À part neuf par neuf, les immigrants, c'est pas pareil comme les immigrants à Montréal qui disent. Euh, qui, qui à Montréal, parle. ils ont l'impression mmh. qu'un immigrant arrive et il va choisir l'anglais. C'est ça. Tandis qu'à Port-Neuf, pour Saguenay, il n'y a pas le choix, il choisit le français. Exactement. Ouais. c'est pas, On n'a pas la même réalité linguistique, ça, c'est clair. Donc, ça ne fait pas les mêmes déclinaisons. Mais cela étant dit, moi, au-delà de tout ça, il faut que tu prennes un pas de recul et tu te dises OK, il y, a, il, y a, il y a les sondages puis il y a les réalités d'une région à l'autre. Mais il y a des questions de principe aussi. Euh, Est-ce que tous les Québécois ont les mêmes droits? Et puis là, ça, là je parle des anglophones. Là. Okay? Oui. Parce que ça part de là. là. Si on dit, est-ce que les anglophones sont une menace au Québec ou c'est un apport à la société québécoise ben, C'est un apport à la société bon. québécoise. Si c'est moi, moi c'est ma perspective. Voyons. Mais non, mais c'est parce que c'est pas clair dans la tête de tout le monde au Québec. Ben, je vois le vert. C'est pas clair. Mais <laughs> ben non, mais Jeff, je te le dis. Ben, on est encore là. Mais ben voyons. — OK. okay C'est moi qui... Euh, <laughs> moi, des fois, je suis un peu niaiseux, je vais te le dire. Je suis un peu nono. Des fois, je suis dans une bulle. — Ça part de là, OK. Puis moi, les anglophones, je veux que les Québécois francophones sachent qu'ils sont de plus en plus des alliés pour protéger le français au Québec. Puis moi, je veux que les anglophones soient... continuent à être encore plus nos alliés. Je l'ai dit dans la campagne, je le répète aujourd'hui, il y a 75 des parents qui ont des enfants à l'école aujourd'hui, des anglophones qui envoient leurs enfants soit dans des écoles francophones, soit dans des écoles bilingues, soit dans des programmes Quand Guy Nantel a fait son okay. fameux euh, vox, vox populi là, devant Dawson pour demander quelle est la langue officielle que tout le monde était fâché de que la réponse était c'est une province bilingue, puis il ça. Mais moi, moi aussi je pense une province bilingue. Je sais qu'on veut dire que c'est une province francophone, mais je veux dire, tous les jeunes qui répondaient, ils répondaient dans un excellent français. T'étais à, à Dawson. T'étais dans une institution anglophone. Ah Bien, tu sais, je veux dire, puis Dawson, c'est pas, pas, le, le, pas Saint-Laurent où c'est des étudiants francophones qui vont à l'école anglaise. Dawson, c'est surtout des Anglais qui vont au cégep anglais. Puis leur français était très bon. Donc Moi, je voyais ça positif, le, le Vox Populi. Mais, on, T'sais, on ne sera pas capable jamais de se marier ou quoi Mais c'est ça. Fait gap, il me parlait de mariage justement. Il y a jamais eu autant de mariages interlinguistiques au Québec. Il y a, jamais... a plein d'indicateurs qui font que on est une société de plus en plus intégrée. Puis ça, on devrait célébrer ça. Puis il faut arrêter de voir les Anglais comme une menace, puis comme un adversaire ou un ennemi, ok Parce que si on, on les voit comme un adversaire, et un ennemi, c'est sûr que là, quand tu mets des immigrants qui arrivent, ça devient un mélange explosif. Parce que là, c'est qui va les attirer puis là, c'est une rivélité entre les deux. Oui. C est, c est, on est dans cette dynamique-là depuis trop longtemps au Québec. Il faut changer la, la game. Là. Et, et donc, si à partir du moment où tu es vois comme des alliés, bien là, quand tu fais le, même le processus de sélection des immigrants, les anglophones devraient être d'accord avec nous autres pour dire voici comment qu'est-ce qu'on peut faire pour les francisés? S'assurer que le fait français va survivre en Amérique. Ah, je ne ça, ce bout je suis d'accord. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. C'est sûr que. Moi, je suis, un, je suis comme toi J'ai un côté libertarien assez prononcé, puis que quand quelqu'un s'en vient ici, il a choisi ce qu'il veut. S'il veut parler sa propre langue, puis oui. y avoir de la misère, il, il, il a le choisir. Puis si à un moment donné, comme deuxième langue, il choisit l'anglais, puis ça fait que un moment donné, il va décider de partir à Toronto parce qu'il y a de la misère à Montréal à, 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 à s'épanouir. Bon, mais regarde, c'est ultimement c'est leur choix. Je comprends que si tu es dans la société québécoise, si tu veux monter, tu veux fonctionner, mais... tu veux avoir des postes importants. Hey, le français, c'est un incontournable. C'est un, moss. un moss. Mais puis, la, la sélection des immigrants est importante. Qui tu fais entrer puis qui tu fais pas entrer, parce que tu ne peux pas tout faire entrer à la planète. Là. Donc, on a un processus, puis on s'est mis d'accord là-dessus. Puis ça, c'est un autre problème qu'on a à l'heure actuelle. Ça, c'est celui de la chicane qui va avoir justement. Oui, c'est la sélection des immigrants. Puis là, le problème qu'on a actuellement est encore pire que ça, parce que là, on a pratiquement la moitié de nos immigrants qui rentrent illégalement. Ouais, ça, au chemin le bon. Roxham, il y a tellement ça, de monde consomme, qui ça, là. traverse. Moi, je suis pour l'immigration, mais ça, mais ça ne ça, ça, ça. Ça, ça, ça marche pas. Là. Il y a tellement de monde qui traverse que là, on est rendu à 40-50 000 immigrants qui vont entrer cette année. C'est de loin la pire année ever. Là. Puis sur, par rapport à tout l'ensemble du Canada, c'est 80-90 de l'immigration illégale, c'est chez nous que ça se passe. Exact. Ça se passe au chemin Roxham en particulier. Donc, ça, c'est un autre enjeu qui va faire un moment donné dire, regarde, on a beau avoir des débats sur qui ont fait entrer légalement ou pas. S'il y en a un moitié qui rentrent illégalement, quand même que tu montes ton pourcentage de 2 des, des, des de francophones <laughs> sur ceux qui rentrent légalement, ça ne change absolument mmh. rien. Là. Non. Donc, il va falloir qu'on contrôle l'immigration mieux que ça puis qu'on contrôle nos frontières. Et, et ça, euh, c'est un autre problème parce que Justin est, Trudeau n'est pas ça, pressé. Est là. Ouais, mais Justin Trudeau n'est pas pressé à fermer le chemin Roxham. Là. Non, ça, et puis ça, nous autres, euh, Même si euh, même si toi tu étais au pouvoir à la place de Legault, tu n'aurais pas le pouvoir de le faire non plus, il faut le dire. Euh, le go là-dedans, là, son obsession, parce que là, il va contre les employeurs. Les, employeurs. les gens disent continuons, là, on a voté pour ça, puis euh, garde, on vit, on vit avec les problèmes qu on a, pour qui on a voté. Mais les employeurs sont désemparés là, en ce moment-là. Il y a une vraie réalité, là. il y a une réalité qui ne marche pas. Là, je veux dire, euh, les employeurs ont besoin d'aide. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui fonctionne. Christian, on va faire comment là, pour les. Mais... Là, on est là à parler de ça, mais c'est pas dans, pour cinq ans et dix ans qu'on a besoin. C'est là, là. Il y a un problème, puis le problème, il n'est pas juste en termes de nombre d'immigrants qu'on rentre. Il y a aussi le processus d'immigration. C'est tellement long pour une entreprise d'avoir des travailleurs, puis ça coûte tellement cher. Tu es obligé d'engager des experts, puis des avocats, puis des spécialistes aussi. Tu des quotas. Aussi. Il y a des quotas puis ça, écoute, les petites entreprises, c'est tellement bureaucratique, c'est tellement compliqué qu'ils abandonnent. Il y a juste les grosses entreprises qui ont des gros moyens, parce que ça peut coûter 10, 15, 20, des 000 qui pour veulent... chaque personne qui rentre. Puis tu n'as aucune garantie qui va rester chez vous. Là. Il y a des gens Le... qui ferment leur business à cause de ça. Ben oui. Il y a des gens qui ne partent pas des projets qu'ils avaient en tête, dans lesquels ils avaient déjà de l'argent investi, qu'ils ne lèveront pas. Il y a des restaurateurs. Ils ont des bannières, je peux t'en nommer, ils ont des bannières qui ferment des, euh, des Tim Hortons en ce moment et qui ne savent plus quoi faire avec le restaurant parce qu'ils n'ont pas de travailleurs. Il y a un gars qui a un AW, qui, le, les annonces sont là, les banquettes sont posées, il est à vendre, il n'a jamais été ouvert. Il dit Je peux pas ouvrir, mais qui va l'acheter L'acheteur n'aura pas plus de travailleurs que toi, tu en as. Je dis C'est catastrophique, la patente, ça marche pas, là. Puis il y a la robotisation aussi qu'on nous parle. On dit, on met, Mettons ouais. des robots. Un moment va finir là, là ça colle l'immigration, se être aussi mauvaise. Mm. Parce que les. Fait tu sais, il y, y, y a différentes solutions par rapport à ça, mais il faut qu'on qu en parle à, vis, à visage découvert. Il faut arrêter d'avoir peur. Le, le problème qu'il y a quand on parle d'immigration, c'est que il y a beaucoup de peur plutôt que de faits. C'est très, très émotif comme débat. Euh, les, les chiffres. On n'est pas capable de rester mathématiques et économiques sur ce sujet-là? Bien, c'est très difficile parce que c'est linguistique c'est culturel. C'est pas... Ça, ça se quantifie pas, ça, là. là. Fait que c'est très, très... as euh, 100 a... raison, c'est linguistique et culturel. À la base, avant d'être économique. Ben oui. C'est pour, que... Que, pour ça que c'était juste une question de chiffres que, puis économique, parce comme je dit, on réglerait ça de même. Que, parce que si c'est juste une question de langue, on va faire rentrer 100 000 Maghrébins. Mais là, tu, culturellement, ça ne marchera plus. Là. Ah oui. Bon, là, tu repars à un autre débat. Ah, voilà. L'autre débat va repartir ici, là. <laughs> oui, oui, c'est <laughs> ça. Okay. Moi, Moi je, regarde, je vais te coller à chaque fois. OK, mais que ça veut si c'est une question de langue, si c'est une question, euh, comment dire, de, de, de raciser ou pas, On, tout, on va parler le mot. C'est le mot qui est utilisé. On va faire, on va faire rentrer 100 000 Africains. Mais ça ne ben, marchera pas non plus. Ils parlent français. Ça ne marchera pas non plus. Non, non. OK. Mais okay, il mais, mais y en a fait. Si tu rentres 100 000 Mexicains, ça marche. Ça marche. Son catho sont blancs. Ils sont catholiques. Je ne sais pas s'ils sont blancs. Non, non, ils sont chrétiens. Moi, je pense que Jerry a raison. Je suis à la même place. J'ai rencontré un curé pendant la campagne électorale qui m'a raconté comment lui était content parce que c'était grâce aux Mexicains qui remplissaient son église. <laughs> ben voilà! <laughs> Mais on va plus à l'église. Mais c'est un, un, un gars qui a une croix dans le cou, ça le dérange moins. Voilà. Puis il parle pas français. C'est moins grave. <laughs> oui. Mais c'est du quoi? Puis, oui. Il n'y aura, aura pas de condo dans mon église, dans ma paroisse. Non, vous savez que je ne oui. <laughs> suis <savez que je rire> pas un conservateur social, là, pis je ne suis pas un freak la religion, là. mais j'ai vu que dans cette communauté-là, entre autres, l'église était un extraordinaire facteur d'intégration. Bien sûr. Parce que les immigrants, quand ils sont arrivés, bien, ils sont très cathos. qu'ils se sont tous réfugiés dans l'église. Le dimanche, c'est eux autres qui animent puis là, ils se sont impliqués dans la paroisse. Puis oui. là, ils ont, ils ont, ils ont toutes sortes. Il y avait les vieilles sœurs qui étaient là. Puis tout ça. Ça, ils ont aidé. En une tombe-là. Évidemment, à ce monde-là, ça parle tout en français. Puis là, ça leur a donné des, 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 des cours sur toutes sortes d'affaires. Puis ça leur apprend. Quand il fait froid, comment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ben tu sais, oui. des questions ben, il y a de base là, que ce monde-là se pose quand il arrive. Qu L'Église ils, ils a été comme une espèce de centre communautaire pour les intégrer au Québec francophone. Puis, à, puis même au niveau de l'histoire puis de la culture, ça a été un bon vecteur pour eux autres. C'était quand même assez spécial. Là. Mais je ne sais pas si ça se passe à grande échelle ou si c'est juste dans certaines communautés, dans certains villages. Mais je l'ai vu de mes yeux, là. C'est pas, euh, pas le gars qui a vu le gars qui je a vu. Fais, je fais le lien avec le sujet, le temps part. Je fais le lien avec le sujet pour t'amener oui. sur euh, ce qui était jasé de, pendant que tu étais, euh, étais absent, pendant que tu étais malade. Euh, puis je sais que tu es au courant de tout, là. Euh, tu suis tout, puis euh, même probablement tous les potinages alentour de ce qui est dit dans les journaux, puis pas dans les journaux, puis etc. Donc là, On a une histoire euh, qu'on entend. Ben, on, voit, on voit que, un, premièrement, on sent qu'il y a certains journalistes, il y a certains médias qui aiment brosser un peu d'histoire. Ils le font avec le Parti libéral aussi en bien. Ils il aiment ça quand il a, ça grenouille dans un parti et ça leur ferait plaisir peut-être de voir le parti imploser. Moi, c'est ce que je pense. Donc, on essaie peut-être de exagérer les histoires, je sens, euh, mais quand même, il y a quelque chose. Donc, tu as, t as un, un bénévole actif que moi, je considère comme étant important. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je sais qu'il y a Joanne. Je sais qu'il y a Adrien est encore là. Je sais que tous ces, ces gens-là importants sont là. Je pense que Joe, Joe c'est un, un caractère, Joe c'est ce un gars qui, a, qui prend de la place. Joe Hamel, donc là on a une histoire qu'on entend, puisque tout ce qui était écrit est vrai, je le sais pas. Euh, L'autre affaire c'est que ça part de Joe, mais surtout d'une, je dirais que Joe représente peut-être des, des anciens candidats de la dernière élection qui voient que le parti s'en va vers un genre de parti caribou anti-immigration et qu'il y a quelqu'un proche de toi qui était le genre de chef d'orchestre son nom gars je sais un je le connais pas je sais pas c'est qui mais que c'est lui qui pourrait s'aborder le parti conservateur que, tel que certains le voient donc j'ai essayé de comprendre toute okay. l'histoire puis d'abord qu'est-ce qui est vrai qui est pas vrai et qu'est-ce que tu vas faire avec ce ça ce qui est vrai c'est que samedi dernier j'ai réuni tous nos candidats à Drummondville on a oui. fait notre post-mortem est-ce qu est que tout le monde était là euh, non mais peut-être 70 candidats les régions éloignées n'étaient pas là puis d'ailleurs c'est pour ça que je pars lundi je m'en vais en Abitibi puis je commence des tournées des régions pour aller prendre à rejoindre, parce que tu comprends que oh, là, moi, BTV, du Saguenay et de la Gaspésie ne sont pas venus. Là. Euh, donc, là, je commence les tournées des régions. Mais euh, il y avait quand même... La majorité des candidats étaient présents à Drummondville samedi dernier. Puis, il n'y en a pas un qui est allé répéter les propos que j'avais entendus sous couvert de l'anonymat des médias des derniers jours. L'état d'esprit était très positif. Il n'y a pas eu personne qui a mentionné ça. Les... La politique du parti n'a pas changé depuis l'élection ou pendant la campagne électorale. On va avoir un congrès comme tous les partis politiques. Il va y avoir des, des positions qui vont être adoptées démocratiquement en congrès par nos membres. Puis, on, statutairement, il faut le faire en 2023. Fait que ça, ça, dans moins d'un an, ça va avoir lieu. Et donc, euh, ça, ça continue son rôle. Les, les candidats qui étaient là, ce dont ils m'ont parlé samedi dernier, c'était ce qu'il fallait améliorer. Évidemment qu'il y a eu des failles. Évidemment qu'on a fait des erreurs. Mais dans l'ensemble, le, le beat est quand même positif. Là. Je sais qu'on aurait souhaité tous la gang, moi le premier, j'aurais souhaité qu'on qu fasse élire des députés. J'aurais souhaité moi-même être élu à l'Assemblée nationale, bien évidemment. Mais je suis conscient aussi qu'on a monté quand même de, de, de quelques milliers de, de, de votes à 530 000. On oui. a connu la plus grosse croissance de notre vivant pour un parti politique. Fait qu'il y a plus de choses qui ont bien fonctionné que mal fonctionné. La campagne, oui, il y a eu des problèmes. Mais quand je regarde les sondages, mais on, est, on, est, des... on, est, on est resté au même point ouais. entre le moment du déclenchement des élections et le moment où on a compté les votes. Il n'y a pas eu de chute drastique, euh, puis il n'y a pas eu de il y a pas de grogne incroyable dans le parti. Là. Il y a des sideshows. Non, non, mais il y a des. Il y a des euh, je t'en nommer. Je, je, je te dis ça là, parce que j'entends, puis tu, tu, me, tu me le dis. J'entends des gens que moi je connais. Karim, Moloney a eu sa, sa période où il a été euh, découragé. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, euh, euh, Donald, ici dans la région de Québec, qui est important, il a eu il a eu, a eu son petit bout découragé. Stéphane Lachance, qui est un gars qui est qui de la drive, a été découragé un peu. Pas de toi, pas de toi, pas du parti, mais un peu de toute la, la patente alentour. Puis je sais que tu l'as dit, vous êtes parti avec rien, vous n'avez pas une scène. Il y a des gens qui se sont joints à vous et qui ont fait des miracles pour vous. OK? Tu es en, en pleine campagne, et toi, tu te sens redevable envers ces gens-là. C'est oui. ce que je comprends. Puis c'est une forme de fidélité, puis ça, une, une, je dirais que c'est une valeur qui est importante. Mais les autres, par après, ils disent « OK, ouais, là, on comprend, mais là, on ne peut pas continuer avec tel… » On reconnaît que cette personne-là a des capacités dans le domaine des médias sociaux, du web, etc. Sauf que pour mener le parti, ça, ça commence à pas marcher. Mais c'est sûr que le parti va devoir se professionnaliser. C'est sûr que ça ne peut pas être le parti de quelques personnes, même moi. T'sais, il va falloir qu'on on, on, on laisse entrer de plus en plus de monde. On n'est plus un petit parti, on est un grand parti. On a des moyens maintenant. On va embaucher plus de monde. On va se bonifier, on va s'améliorer. On, on va améliorer la communication interne, on va améliorer l'organisation. Mais je veux dire, on est, on est dans le processus de le faire. Les gens qui étaient là pendant la campagne électorale, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en même temps. On n'avait jamais travaillé ensemble, on ne se connaissait pas, on venait de partis politiques différents ou pire Il y en a même qui n'avaient jamais fait de politique, en fait, la majorité probablement, qui manquait beaucoup d'expérience dans nos rangs. Et il euh, y a eu des erreurs, mais dans l'ensemble, tout le monde était là pour la bonne raison. À... Est-ce que tu en as fait des changements organisa euh, organisationnels de dernièrement? Bien, on est en train d'en faire, C'est... Euh... Et je pense à ça a coulé dans les médias un peu, là, que Patrick Béjean allait joindre à nous, c'est un, un gars qui était connu ici, surtout dans les médias. C'est mon ancien boss au FM 93. Donc, un gars gestion. Il va, oui, il va en avoir d'autres dans les prochaines semaines, à, tout, à différents niveaux, qui, euh, ce qui est tout à est fait y normal. Est-ce qu'il y a un froid entre Joamel, euh, José Werner, toi, Adrien, puis peut-être d'autres que je connais pas Est-ce qu'il y a je un froid pour personnifier les froids Je vais juste dire une chose. C'est pas. Tu sais, quand il y a des problèmes, l'importance c'est de se parler en pleine face. c'est Utiliser les médias là, pour négocier, c'est jamais une bonne idée. Ou laver notre linge sale, c'est jamais une bonne chose. Et qui l'a coulé l'histoire du 40 J'ai aucune idée. Est-ce okay, que ça vient de l'interne du parti ou de Je lui? ne sais pas. Non. Mais ce que je, je pense je sais, pas que ça vient de l'autre, de, de ce que je comprends. Ce que je sais, c'est que c'est jamais une bonne chose quand les médias parlent de choses qu'à l'interne, on n'en a pas parlé ou à peu près pas. Fait que c'est pas. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on se parle entre nous. C'est pour ça qu'on a eu un, un post-mortem à huis clos. Euh, c'est pour ça que je continue à faire la tournée des régions puis je tiens à rencontrer les membres dans chacune des circonscriptions. Oui, mais c'est parce que juste pour finir là-dessus, c'est que Joe, lui... C'est parce qu'on T'as raison, t'as raison à 200 que la, la meilleure place dans un parti politique pour être les affaires, c'est entre quatre murs. Mais euh, parce qu'on ne sait pas d'où ça part. T'sais, lui, il dit, moi, j'ai reçu une mise en demeure à un moment donné. puis Il euh, y a quelqu'un qui a coulé de l'information. Euh, il pensait que c'était telle personne. L'autre personne nous a appelés pour nous dire Non, c'est pas moi. Euh, L'autre personne dit Non, non, c'est sûr que c'est lui Ensuite, euh, là, il y a eu une autre, une réponse à la mise en demeure par une mise en demeure de, euh, de Joamel qui arrive d'un avocat qui est un ancien candidat. C'est le genre de patent qui peut faire déraper. Tu comprends? Donc, il faut que ça s'arrange. Oui, oui, mais tu c'est dur de, de réprimander ou de sanctionner des gens qui n'ont pas de titre officiel dans une organisation. Et en politique, c'est souvent ça. Tu ne peux pas punir des bénévoles. Non, comment, je comprends. Tu, mmh. comment tu veux que je fasse ça comme chef? Je les envoie où? Il n'y a pas de bonne punition, là, c'est pas. C'est pas si simple que ça Il y avait peut-être un problème d'interprétation. Toi, tu dis que c'est un bénévole, mais si lui, t'a t'envoyait une facture de 40 000, il se sentait peut-être employé de quelque chose ou consultant, je sais pas. là. Non, non, mais. Ça, vous l'avez arrangé les deux? Oui, ça a été arrangé. là. T'as bien négocié. On m'a dit que t'as fini ça avec un smoke meat. C'est ça. Ça a coûté un smoke meat au lieu de 40 000. Le monde ne pourra pas dire que je ne suis pas chiche puis je n'ai pas économisé l'argent durement de gagner au parti. Non, non, mais garde. j'ai. On, on, on va s'entendre, on va se parler, mais c en même temps, c'est le temps de le faire. Après, quand, après une élection, là, il y a, on a quatre ans devant nous autres. Là, ceux qui veulent travailler en équipe, c'est le temps de le dire, c'est le temps de le lever à main, c'est le temps de prendre des postes, puis de prendre des fonctions, puis de travailler. Puis ceux et celles qui ne veulent pas, puis qui veulent bouder, puis c'est le temps là, de, de dire, bien là, nos choix se croisent. Il faut rappeler le, quotidiennement qu'on est passé de 1 à 13 C'est sûr. Puis ceux et celles qui sont encore trop fâchés puis qui ne sont pas capables d'accepter ça, puis la pilule ne passe pas, ben faites d'autres choses. C'est correct là. On vous détestera pas. Merci beaucoup de ce que vous avez fait. tu es capable d'endurer de ça. Ce n'est pas le genre de patente qui te stresse. Ben normal. que je fais ça avec tu ça? Je savais. Pas, tu es au-dessus de ma tête, là. C'est dans le sens où. Euh... Il, 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 quand il y a des gens dans une organisation, il y a toujours des frictions entre les oh oui. gens. Moi comme chef, ça fait partie de la politique, non Exact. Aussi. Puis moi comme chef, ben, pas juste en politique, on a ça partout oui. dans toute organisation, dans, ça les existe en des politique, c'est des, des, des gens d'opinion, Les gens. gens de des médias, m'ont ben, dit qu'il y en avait aussi ouais. des affaires, des histoires de même, mais tout ça pour dire que comme chef, mon rôle c'est de pas prendre parti dans ces affaires-là, puis de pas diviser, puis alimenter ces chicanes-là, puis d'essayer d'être au-dessus de la mêlée, puis d'essayer de réconcilier tout le monde quand ça chicane trop fort. Moi, c'est comme ça je le vois mon rôle comme chef. il ben, y a plusieurs disent Éric est testé là parce qu'on va voir s'il y, euh, y a le cran de prendre des décisions, des fois qui font mal. Des, 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 Fidèle parce que tu as eu quelqu'un qui a eu que, qui t'a donné beaucoup pour peu que ce que, que toi tu donnais dans le sens monétaire. Puis tu dis, euh, si mettons, on, le gars n'est pas là, le parti, il n'est pas ce qu'il est rendu. Donc, j'ai une dette euh, morale envers quelqu'un, oui. mais j'ai une décision difficile à prendre. Donc, ils autres, ils disent, oh, parce qu'ultimement, que, tu es le chef. Oui. Tu es, es le chef. Donc, tu es un peu testé au niveau de comment tu vas euh, affronter cette première tempête-là. Puis, tu ne peux pas dire elle Existe n'existe pas, elle existe. Donc, no toi, oui. tu, tu vis bien avec les décisions oui, que, oui, que le, tu vas prendre. Très bien. Puis, on va. Tu sais, c'est jamais noir-blanc, ces affaires-là. Quand tu t'assoies avec les gens, tu te rends compte que la lune est plus grosse qu'à l'air quand tu lis le journal. Oh euh, ouais. Fait que c'est ça qui C'est toujours, euh, toujours comme ça. Fait qu'il faut juste dédramatiser. C'est ça le rôle du chef aussi. C'est important. Je pense que l'attitude que tu as est bonne dans le sens que. C'est un peu ce qui, qui, qui fait que étais flon, c'est que. Faut pas jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est sûr. Pas... Je commence à en attaquer un puis l'autre, puis je nomme des noms ici aujourd'hui. C'est sûr que là, ça va repartir de plus belle. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça. ça. Garde, faut que ça marche. Faut que ça marche. On est condamné à réussir. <laughs> puis, faut jamais oublier ça. Faut jamais <laughs> oublier. T'as-tu, as tu que ça, c'est tout relié au fait qu'il y a zéro élu. Un élu, il n'y a pas d'histoire. Mais à un moment donné, faut, faut, Moi, faut, ça. il faut aller cette affaire-là, puis il faut se concentrer. On a, le, le comté le plus serré au Québec, on l'a perdu. Regarde, c'est sûr que si aujourd'hui, si à l'époque, je savais ce que je sais aujourd'hui, il y a bien des choses qui seraient différentes. T'sais, premièrement, j je ne me serais pas présenté dans le comté que j'avais choisi. non euh, J'aurais été ça la Rive-Sud, parce que le tramway, ça a moins levé, puis le troisième lien, ça a plus levé en campagne électorale. On n'avait pas prévu ça. Moi, je pensais que le tramway ça pourrait être un plus gros enjeu. Ouais, je pensais bien. que le troisième lien il allait être moins gros. Mm. Le, le, le troisième lien est devenu le sujet national, pas juste dans la région de Québec. Ah ouais, c'est ça. <laughs> moi, je pensais Pendant que. On dit que, que, que... Arrive sur, le troisième lien touche plus le monde. Ben, c'est normal. Oui. Fait que là, tu sais, il y, y a toutes sortes d'affaires comme ça. Puis le fait que on ne savait pas où notre vote était réparti. On n'avait pas d'historique. Là, on en a un. Là. Oui. On peut regarder les chiffres, on le sait où ça lève et où ça lève pas. Là. Exact. Merci Éric, t'es Merci. Ciao. Merci bon de journée, ta gars. franchise. Lâche pas, puis on t'adore, mon oui. ami Eric. Éric Duham, chef du Parti conservateur du Québec. La boîte à pizzas avec Jerry après sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. 100%. Pirate. Pirater, c'est légal. RadioPirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100%. 100%. Pirate. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. Et voici. Jerry! Oh. Oh. Bon ah. week-end, mon ami Jerry! Oui. Oh, oui! On a lancé hier, le week-end, avec l'aubergiste. Avec, avec un bon vin blanc. Vont, Lequel euh, déjà? C'est le Chamaris. Et là, il y, y, y a des pirates qui m'ont écrit. Ils ont dit, ouais, il est dur à trouver. Ce, ce qui est bizarre, c'est que sur le site, puis là, ça, c'est vraiment pas de ma faute. Là. Pourtant, je le surveille. Sur le site de la SAQ, Chamaris, ils disent qu'il n'y en a plus dans les SAQ. Ma SAQ à moi, ben à côté de chez nous, la grosse SAQ de Beauport à côté du Starbucks, il y en a 22-23 bouteilles. Donc pourquoi il y a, pourquoi pourquoi il y a des un... places qui n'ont 23 bouteilles et pourquoi des places qui n'ont zéro? bien, la face, c'est que même non, quand tu vas sur le site de la SAQ, ils disent qu'il y en a zéro partout. Donc, il y a un problème sur le site de la SAQ présentement. Parce que pourquoi qu'ils disent pas Beauport, 22 bouteilles ben, Voyons donc. Ah non, non, il n'a pas. Il a marqué il marqué 0 bouteilles partout. Chez nous, il y en a 22. Là. Donc, a, la SAQ, des fois, il y a des petits euh, problèmes euh, informatiques, je ne sais pas comment dire ça. Donc, je ne peux pas rien garantir nulle part parce qu'il y a déjà une erreur dans ma SAQ à moi. Donc, je, suis trouvé, euh, je trouve ça plate un petit peu. Donc, le nom, c'est Chamaris, excellent vin blanc euh, italien. Mais je vais revenir une, une seconde. Je vais faire un parallèle, Jeff, C'est une boîte, une boîte à pizza, euh, pepperoni euh, mélangé, puis… Euh, c'est moitié garnie, moitié végétarienne, mais végétarienne a du bacon dessus. C'est tout de mélangé. Tu parlais du, du jeune homme qui est allé euh, en Ukraine. Oui. Puis qu'il est mort là-bas. Il y a des moves comme ça qu'il faut. Ces moves-là, il faut. C'est impo... ça, ça peut être dangereux. Il y a un move qui a été fait. C'est une journaliste. Je pense que c'est une journaliste. Euh, euh, Sais-tu de la Suède ou autre chose elle est allée en Iran là, là, elle vient de se faire arrêter. Elle est allée en Iran faire une entrevue avec le père de la fille qui s'est fait tuer dans le poste de police. Tu sais, on, on sait l'histoire d'il y a deux trois semaines. Oui. La, la jeune femme, elle n'avait pas son voile. Les policiers l'ont ramassée. À un moment donné, ben, je, on ne sait, je veux pas tous les détails, là, mais en fait, quand la fille est, est morte. Ils l'ont tabassée. Là, c'est fait un scandale. Puis c'est en Iran, il y a du monde qui se sont un peu révoltés. Les euh, euh, faut aider les femmes iraniennes. Vous bon, entendu. C'est toute cette histoire-là. Mais là, la journaliste, a dit, je vais aller faire une entrevue avec son père. Mais là, c'est bien de se faire arrêter. T'es pas... en Iran, là. En Iran. Pense à ça deux secondes. Là. Donc, si tu vas en Iran, là, c'est faut que tu fasses profil très bas là, quand tu vas en Iran. Faut ben ou oui. faire attention quand tu, peux tu peux vas faire en par, Iran. Tu peux la faire par Team ou Zoom. Là. Oui, tu peux essayer de t'organiser d'une autre manière. Elle, elle va sur place faire l'entrevue. Après oui. ça, elle se fait, fait menoter parce qu'elle va au poste de police, elle aussi. J'espère pour elle que ça va pas mal finir, mais on est en Iran. Là. En Iran, là, juste vous dire. Là, mais t'as-tu remarqué qu'il y a des gens si qui sont vraiment insouciants? Il y a des grands places, là, puis ils pendent le monde. Il y a du monde qui sont pendus publiquement. Là. Ben, c'est ouais, comme les oiseaux qui s'en vont faire des tours en tourisme à... en Corée du Nord. Hey, c'est ah ouais. charmant. C'est comme drôle. C'est comme drôle. pas drôle. Là. Non, non, c'est pas, pas drôle. Il y a un gars qui est revenu légumes. Là. Parce oui. qu'il a enlevé une pancarte de, de John Gung-Gung. Hein? Jing john de, de... Jing john de... de, de le... Je sais pas trop lequel des deux, mais le, le plus le gros. gros. Le, le gros souillet. Le gros exactement ça. Il a maigri un peu, là. Ouais. Il a maigri parce qu'il... Il, il, il était malade. Il a maigri parce qu'il est malade. Ouais, c'est ça. Mais, il <laughs> mange, il continue de manger du poulet frit, euh, de ce que je comprends. Euh, Kentucky. Mais ce que je veux dire, c'est que ces pays-là, il faut, fa faut faire un. Je sais, on, des fois, on est un peu, un peu aventurier, mais là, c'est pas un voyage à Machu Picchu, au Pérou, pour s'amuser. Ça, est, tu te dis, OK, ouais, c'est un peu. Non, ce pas ça. Là, Là, tu t'en vas en Iran. Pensez deux secondes. Là. Moi, tu me payes le voyage en Iran, je ne vois pas. Oui, oui, ce pas si pire que ça. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas là. Moi, pas là. Il va arriver quelque chose. Je pas... Il... Moi, je ne vais pas là. Elle, elle, est là, elle est journaliste. Je fais une entrevue avec le père de la fille. Menotte embarquée. Euh... Non, moi, je ne veux... vais pas en Iran. Comment ça pas... va finir? Je ne vais pas en Russie, ouais. je ne vais pas en Chine. Je ne vais pas dans ces places-là. -là, je n'ai pas le goût d'aller là. Ben, la Chine, justement, tu es comme moi. À un, si... un, un si moment donné, tu t'en vas euh, à Disney à Shanghai. Hum il y a, a quelqu'un qui est détecté par un téléphone X qu'il est en contact avec quelqu'un qui a COVID. Ils vont fermer le parc, puis toi, t'es dedans. Ils il barrent le parc, puis t'es dedans deux semaines en barré. Moi, je vois pas là, là. Non, non plus, je vois pas là. On pas dans une place de même. Là. Là. <laughs> non, c'est il T'es à l'étranger, là. On s'entend dessus. Hey, le, le baril de pétrole, juste de même. Le baril de pétrole est rendu... Attends un peu, là. Là, là attends un peu. 92 pièces. Il prend et demi presque 5 aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que le litre s'en va-tu à deux pièces. Ah, oh, je pense que oui. Le litre, je, je te le dis. Là. Si le baril de pétrole est rendu à 92, puis il monte 93, 94, puis il gosse dans ce coin-là, ici, ils vont le ils vont monter à deux. C'est le plus haut qu'on l'a poigné. 2,39? Euh, 2,39. 2, hey, ça fait... Ça, ça, ça faisait ça ben dur. Non, ça, ça, dur. Hey, ça, me, ça me coûtait 75 remplir une petite voiture. Ouais, tu vois leur vie, une micro-voiture. Micro-voiture, ça m'a coûté 75 à un moment donné. J'ai eu un choc, quand même. Hey, le, le maire, notre maire à Québec, Bruno Marchand. Moi, ouais, c'est pas le mien, là. Monsieur le maire de la ville. moi ouais, je sais, mais c'est pas le mien. Non, je comprends. Euh... Il, là, là j'ai dit un peu. Attends. Non, non, attendez, là. on va pas revivre ça encore. S'il vous plaît, on va revivre la patente de, des Olympiques? Le maire qu'on a actuel, d'abord, c'est un QS. Puis deuxièmement, c'est la bombe à 5 et 11 avec des choutelacs. Oui, <laughs> je comprends. Mais c'est… oui. C'est Mais... le même. Euh, Moins chicanier. Ouais, plus, plus respectueux. Tiens, Je vais rajouter ça, c'est important ce bout-là. Plus respectueux. Je crois voilà, plus un peu plus en forme aussi. Non, bon, non, okay, c'est ça que je te dis. Souriant. cinq et 11, plus, plus souriant avec des choulaques. Oh, oui, oui, oui. Ben, ben, Quand as un plan, il faut que tu restes souriant. Non? Quand ton plan est bizarre, tu restes souriant, ça passe mieux. Mais là, on va-tu va retomber dans une spirale olympique jusqu'à. Là, c'est 2030, là, les olympiques. L'affaire, c'est que BC, eux autres, parce que là, on parle d'Olympique, là, BC, le gouvernement de. de, de, de de la Colombie-Britannique, ils ont dit, nous autres, on... Vancouver 2030, là, on veut pas. Ils n'ont pas même ben, d'argent ben pour ça. Là. Ah ouais Nous autres, ils pas d'argent pour ça, mais nous autres, on va en avoir. Bien, si BC n'a pas d'argent pour ça, nous autres, on est pauvres, on est pauvres, comme, pauvres comme job. Là. Ça, <laughs> mais on marque bien. Ça a l'air que l'argent, c'est plus important. De ce que je comprends, l'argent, c'est plus Ça a l'air tout relatif. Là. Ça a l'air euh, <laughs> plus grave. Écoute, j'ai vu l'histoire du euh, gouvernement fédéral. « Ah, oh, ça va bien, on fait, des, on fait plus d'argent. » Non, on fait, ça ne va pas bien. On va augmenter la dette au cours des cinq prochaines années de 128 milliards encore. Pas tant de même, je dis ça le, de, de par cœur. Je pense que c'est 128 milliards. Ça ne va, va pas bien pas tout. On va avoir des charges supplémentaires à cause d'augmentation des taux de plusieurs milliards. On est rendu, je pense, qu'on va payer... Euh, mais ça coûte plus cher d'intérêt de la dette que de payer l'armée au complet. On sait que les gars de 18 à wow. Bagotville à côte ne sont pas capables de lever avec l'avion, les gars se pognent le cul. Parce que, d'abord, les avions sont en morceaux quasiment. Et deuxièmement, quand ils élèvent, ça coûte trop cher. Ils n'ont pas d'argent. Oh, on peut pas. Donc, les gars, ils stand, Ils décident de, de quitter après le premier contrat d'armée. Puis, ils s'en vont travailler chez Air Canada parce qu'ils veulent voler qu'un avion. Et là, ils ne peuvent pas le faire voler. Denis l'a dit l'autre fois, ça coûte trop cher. Ben, ils n'ont pas d'argent. Ben, l'argent est où? Ben, l'argent est tout plein, tout plein de place. L'environnement, les patentes de même. Puis, ce n'est pas mieux ici. L'autre est pareil. L'autre euh, bang dans l'argent. Oh, oui, je baigne dans l'argent. C'est sûr tu baignes dans l'argent. On achète quelque chose qui coûtait 10 on est rendu qu'on le paye 15. Donc, ton 15 de taxe nous coûte encore plus cher. On est rendu avec des... des on trouve normal de payer un litre à 1,80 L'argent rentre demain, boum! Ça rentre, ça rentre, ça rentre. On baigne dans l'argent, mais pas nous autres. Tant mieux pour toi et pas nous autres. Je parlais avec Mr. White tantôt, puis euh, il avait pas l'air surpris, Mr. White. Les galeries gourmandes au galeries de la capitale, je m'excuse, là. Je ne suis pas allé souvent aux Galerie de la capitale. Mais tu es gourmand. De, je suis très gourmand. Mmh. Moi, je suis très, 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 très gourmand. Mais j'ai perdu l'habitude d'aller dans les centres d'achat. Dans les centres d'achat. Moi non plus, je suis zéro centre d'achat. J'ai perdu cette habitude-là avec. Mais avec il le y temps. a encore plein de monde dans les centres d'achat. Oui, exactement. Sauf qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui vont s'amuser, mais il y a pas beaucoup de monde aux galeries gourmandes. Donc, il, il paraît que c'est pas mal vide. Il y a encore, il y a encore euh, des commerces qui ont fermé. Donc, c'est dole, pareil. Ben, c'est zéro surprenant l'histoire aussi, c'est que ça coûte cher. Cher dans le sens que ça, les choses gourmandes, les galeries gourmandes, c'est pas des affaires pas chères. C'est des affaires chères. À un moment donné, ça prend un, un rotube, un coke-diète, un frites en trio. Ça dix 10$. Ça prend, ça prend des affaires de même. Parce que tu voulais que la famille. Tu vas t'amuser au galeries de la capitale, c'est super le fun. Tu vas passer l'après-midi là, c'est super le fun. est-ce que tu vas aller avec les enfants manger aux galeries gourmande? Ben, la preuve, c'est que je suis allé aux galeries la semaine passée et là en haut. Ça, au... c'est l'ancien Simons? Euh, oui, c'est ça. C'est la place où ils ont mis euh, la boutique Ricardo puis tout là. Oui. Puis là, ils ont fait un, un genre de galerie gourmande. C'est mmh. un, euh, un peu plus upscale, mettons, que, que Valentine là. Fait que là, tu peux acheter des affaires un peu plus euh, recherchées au niveau bouffe. Et là, il y avait la moitié des places qui étaient fermées là. Et en plus, euh, les places qui étaient ouvertes, mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas grand monde. Tu sais. Il y avait une ou deux personnes par, par, par resto. Il y avait comme des tables pour s'asseoir. Mais dans la place où tu manges en haut aux galeries, à côté… La place normale. Là, la le place normale. Les burgers, les patins de même. Ça, il n'y avait pas de place pour, pour s'asseoir. La même journée. Donc, ce pas parce qu'il n'y avait pas de monde dans le centre d'achat… C'est que l'endroit qu'ils ont fait en bas, le monde, ils vont pas. Non, c'est ça. Trop pointu, trop cher. Ouais. Pas grand public. C'est ça. Ah oh oui, c'est des histoires de petuterie. À un moment donné, euh... mettez un Cheesecake Factory. T'sais. Cheesecake Factory. Mettez un Cheesecake Factory. Ça tu en as marcher. parlé un matin. Mettez, euh, mettez, je sais pas, au moins, euh, un keg. Mettez un euh, euh, Moxie's, une patente de même dans votre centre d'achat. Vous allez, voir, ça va marcher. Les chaînes, on les connaît, les chaînes qui marchent. Cheesecake Factory. Hum. Ça, ça marche, ça. sont au Canada, Cheesecake Factory, n'as-tu? T'as pas besoin de donner à Toronto. Je euh, pense qu'il a... des... Et qu'est-ce que t'as d'autre dans la boîte à pizzas Hey, Tupperware. Oh! Des beaux. Des beaux... Des beaux euh, plats de plastique pour mettre ta salade pour ton ouais, lunch, 95$. Piastres. Mais il va vivre pour l'éternité. Même, mmh. mmh. même après une guerre. Mais c'est toute une histoire. La maison va être terre, puis le Tupperware va être debout. Fondé dans les années 40 par M. Topper. Mega cross Monsieur Topper. Pyramidal, la tour de bras. Ah oui, ça, c'est les... Euh, ben, les autres sont. Ils sont venus au monde avec les, 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 les présentations des maisons. Ben oui. ça, il y, ça, y mais avait cinq oui. personnes qui ont passé avec le plat. Chacun prenait 10$. Piastres. Ben le plat finissait à 1995, mais il disait tu vas le mettre oui. au lave-vaisselle, il va t'offrir pour la vie. Là, à cette heure, pour 15$, tu as à peu près 42 plats d'une boîte chez Walmart. Le, le kit de trois bols... Je suis allé voir sur le site, Je dis euh, oui, J'avais vu que c'était comme dispendieux. Parce tu vas aller les voir. voir. Ils disent qu'ils vont faire faillite. Ça, ça pourrait fermer. Oui. La, la face c'est qu'ils ont 700 millions de dettes à Powerware. Puis, euh, faut qu'ils refinancent ça. Oups. Puis euh, à un moment donné, euh, mais, la face, c'est que les ventes ici au Québec, pareil, ça va très bien. Ah bien, écoute, une, une place pour fourrer le monde. C'est un beau territoire, c'est pas pour rien que tout le monde du Maroc puis euh, des pays d'Afrique envoient des textos à tour de bras au Québec. Il paraît, que, il paraît que Tupperware, les plus performants, je parle présentement, c'est au Québec, les, les vendeurs Tupperware. Là. Ben, c'est clair. Ben oui, mais là, si le euh... tu t'es quelqu'un qui veut fourrer du monde, tu vois au Québec. Première <laughs> place, tu vas vois, tu vois au Québec. Oui, mais là, attends un peu. Votre compte Netflix ne fonctionne plus. Cliquez, cliquez sur ce lien. Trois, oh. Entrez votre carte hmm. de crédit. Envoyez 1000 emails, il y en a 500 qui le font. Là. Je le trouve très raide, le, le moule à muffins. Six muffins, quand même. Un moule à muffins à 50 piastres, je trouve ça raide. C'est dur à rentabiliser tes muffins. Oui. Euh, le plat à gâteau, tu sais, une sorte de petite. Cloche à gâteau, pour mettre un gâteau en dessous, là. As une cloche oui. à gâteau, 80. Oh. Je crois que ça aurait été de, 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 aussi. Et aussi, il y a un kit de trois bols, Donc, de trois petits bols là, pour euh, un genre de petit cul de poule. Mais avec un place. couvert ou pas de couvert? Je pense que le couvert vient avec, mmh. mais okay. euh, c'est quand même wow. 55$ pour le kit de trois bols. T'sais, je calcule ça, j'ai presque 200$, à part les taxes, j'ai quasiment 200$ de stock, juste le stock que je viens de te dire. là. Un moule à muffin, une, euh, une cloche à gâteau, puis trois bols. C'est 200$. Ouais. J'ai premiers les taxes encore. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est sûr, pendant que ça a marché longtemps. Mais ça marche ici. Oui. C'est ça qui est incroyable. Oh oui. Oh oui. Mais Raël s'est installé ici. Là. Oui. Okay. Moi, je comprends. Oui. <laughs> mais comme tu dis, Jeff, tu vas dans un magasin à, dire, à Une grande surface. Grande oui. surface, puis tu vas voir des kits euh, des kits de plats, Christophe. veux-tu des plats? Oui, regarde. Tu vas Tu vas être tellement mélangé dans tes plats. Je ne dis pas que le produit n'est pas de qualité. Non, le produit, j'avoue que le produit de qualité, on niaise. Mais c'est les prix en rapport. C'est hors de prix. Mais non, c'est sûr. C'est toute la patente pyramidale autour de ça qui fait que ça coûte cher, c'est normal. J'ai une dernière affaire. as tu du stress? Non, j'ai toujours un peu... C'est vendredi. Oui, on est hors de partir. C'est vendredi. Non. Lionel Messi, je te le présente, un des gens, un des meilleurs joueurs de du RTC. Non. non. Un <laughs> des meilleurs joueurs de foot. Ben Lionel. T'es pas loin. Ben oui. Lionel, mais ça, oh Lionel, t'as retraite. J'avais un nom qui s'appelait Lionel. Hum. Lui est argentin. OK. C'est un, un vrai gars. là. Oui. C'est un joueur de foot argentin. Ouais, un des meilleurs du de monde. Un des meilleurs au monde. Je connais mais, rien mais, du foot. Mais lui, la face, qui est dans le Paris Saint-Germain. La grande équipe, mais euh, je m'envoie une place. là. Paris Saint-Germain, un des grands clubs. Là, présentement, il y a de la chicane parce que là, il y a, il y a le mondial qui s'en vient. Là. Le mondial s'en vient, quoi, c'est le 20 novembre. Donc lui Messi, il veut il veut jouer pour son équipe nationale. Les chicanes, il joue il joue pour la patente. Le gars, mais la face c'est son contrat, et je suis sûr qu'il est rendu à 35 ans. Son contrat se termine au mois de juin. Mais la passe c'est que je pense que tu me vois venir un petit peu. La passe c'est que Miami oh, pourrait lever le, le flag. Beckham. Et là si Miami pareil ça c'est des grosses rumeurs là là. Miami ils vont lever le flag cet hiver pour Messi et ils vont lever le flag cet hiver pour Luis Suarez. Suarez, c'est lui aussi 35 ans, un des grands joueurs de l'histoire. Mais Juste un. Je mais où dit lui aussi, ça, là. En ce moment, il est dans son pays. Okay. Il n'est plus en Europe. Il est dans son pays. Il joue pour l'équipe nationale, mais il est dans son pays. Mais si, mettons, Miami ramasse Suarez et Messi qui commence la saison de la MLS l'année prochaine. Je vous le dis, là. Les stades en Amérique du Nord, ça va être... Quand Miami va passer, là, essaye d'avoir des billets. Non, ça va être l'enfer. Ça serait le coup du siècle pour cette ligue-là de ramasser Messi et Suarez. En tout cas, 35, si ça arrive... Il y a 35 ans, Messi. Oui, c'est ça, 35 ans. Il gagne... T'as-tu dit comment il gagnait? Euh, non, j'ai pas dit comment il gagnait. <laughs> tu veux-tu que je te le dise? bah vas-y donc. 41 millions US par année. Oui. 41 millions US. OK, Bien ouch. Okay. <laughs> mais Miami, euh, il, il se magouille quelque chose là. ben On le savait. Là, avec, avec Beckham, on sait qu'il va faire un grand coup, c'est clair. Là. Beckham va faire un grand coup. Il n'arrivera pas là avec une équipe de no-name. Il ils peut aller en chercher deux. C'est comme un capoté. Hey, J'ai une dernière petite affaire. Dernière... Hey, As-tu vu hier... La... As tu as-tu écouté la plus belle, moi? C'est la Oui. Euh... Ben, j'ai écouté de la game de la veille. Moi, je suis décalé de 24 ouais, heures. Oui, oui ouais, Moi, ben Ça, ça. c'était ben, bon. Hey, il a... la ils ont 100 ont... ont... points coups ben, C'était pas 100 points de coups C'était un no-hitter, mais ouais. euh, c'était très bon. Moi, je suis 24 heures de décalage. Hier, c'était Verlander qui lançait pour euh, Houston. Le gars, le gars, est spectaculaire. Là. Il lance. C'est inimaginable. Mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup, oui, Verlander, mais Kate Upton dans les estrades. Ah. Kate Upton. Wow. Ok, un, euh, ça peut être. Ça fait longtemps qu'elle a pas eu de nouvelles d'elle. Mais Non, elle c'est la fille est euh... maman. Euh, euh, Kate, oui. Elle Kate, qui dit, Kate, oui. Kate, là. Kate. Kate et Kate. Euh, oui, les deux Kate. Oui. les Oui, <laughs> <laughs> les deux Kate sur, sur une même personne. OK, mais ça, on ne la voyait plus Elle est de toute beauté. Ben, moi, je me rappelle d'elle quand ça faisait des, 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 des pubs de Carl Junior, de, de Carl Junior, de, de, ouais, des, mmh. des burgers. Est-ce qu'elle était avec un gars de baseball, c'est quoi? C'est ça, ben, c'est c'est sa femme. Oh! Ah wow. Mais dans estrades, c'est super le fun. Hier, hier je pense qu'ils l'ont zoomé. S'ils n'ont pas zoomé 30 fois dans la game, ils n'ont pas zoomé une fois. Là, là j'ai écouté le baseball juste pour voir Kate. C'est le fun au bout. Hey, dernière affaire. Ils ont-tu gagné, finalement? Oui, ils euh, ont okay, humeur. C'est 3-2 dans la série pour Houston. Euh, la game va être samedi soir. Donc, on retourne à justement, on se tourne à Houston. Ils ont joué trois games à, 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 à Philadelphie. Hey, dernière affaire. Émilie. Tu sais, M-Rata. Ça dit quelque chose, M-Rata. Oui, mais t'es avec Brad Pitt. Emil. Euh, hein? Euh, Rizinski? Oui, euh, Ouais mais Oui, mais elle serait avec Brad Pitt. ça, ça c'est ton patinage. Mais non, c'est du patinage. Non, t'as peu, là. Moi, c'est les vraies affaires. Moi, le patinage, je suis fort là-dedans. C'est pas du je... patinage. Okay. En tout cas, elle est pas mal tout le temps avec. Ils disent que Ouais, là, on virouille un peu, mais. Pas ils n'ont pas confirmé qu'ils étaient ensemble, ils sont souvent ensemble. OK, ah, ils sont souvent ensemble. Mais en fait, c'est qu'elle, elle a floché son mari oui. cet été. Ils ont eu un enfant ensemble, exact. mais lui, il était infidèle. Oh! Alors, plusieurs, elle l'a poigné plusieurs fois et elle était plus capable. Mais le gars, il était infidèle, pareil, avec Émilie Ratajowski. Il faut que les autres soient euh, belles. Le gars, il y a quelque chose qui. Euh... Mais il y a juste une chose que je veux dire en finissant. Elle est spéciale, un petit peu. Oui, très spéciale. Non, non, elle est très spéciale. Oui. Elle a dit que, dans une entrevue, elle a dit que, elle a dit « Je crois pas, elle a dit qu'il y des personnes réellement hétérosexuelles. » Non, non, de quoi tu parles? Non, -moi, elle, dit, on hétéro, elle, a elle a dit « On n'est pas hétéro. » Il n'y a personne d'hétéro. Elle a dit « Tout le monde est bi. » Tout le monde est bi. OK. Donc, dans son entourage, on sait que ça brosse pas mal. Oui, elle... Euh, tout, pour elle, là, tout le monde y vit Donc, peut-être que Brad Pitt aussi, s'il était ah. dans le tour de Brad Pitt. C'est ça, me... ça l'histoire. Mais euh, je... elle, elle a été trompée par son mari. T'sais, mais elle a dit qu'il n'y a personne... Euh, étho... Quelqu'un d'hétérosexuel, ça n'existe pas. Là. Bien, dans ces gangs-là, je, je pense que c'est... C'est du monde excentrique. C'est du monde qui peuvent se payer n'importe quoi. Donc, à un moment donné... là quand tu as eu l'hôtel qui était belle, tu t'es acheté un bateau, tu as eu ton char, tu as eu ta robe, tu as eu ta bourse, à un moment donné, c'est quoi qui t'excite Oui. Mm. Ben c'est Ils s'en vont dans des aventures, ils s'en vont. Un ça. peu de drogue, euh... un peu de ci, un peu de sexe, un peu une Tu ci, regardes le chien de travers, là, tu sais. C'est normal, c'est dans le monde... C'est parce qu'elle a la vie dans un autre monde. C'est dans un autre monde. Dans un autre monde irréel. Un monde de... Nous autres, on irait voir ça pendant deux jours. On dirait My God, man, check moi de la gang de fucky, tout. Et pas juste au niveau sexuel, à tout. Qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se racontent. Ah non, c'est du monde un peu, un peu flyé. Thank you, man. Voilà pour la boîte à pids du vendredi. On revient dans un instant. On a la poubelle à Jeff qui est toxique le vendredi. Très toxique. Une poubelle toxique après la pause ici même sur Radio Pirate Live. Read the word. Fresh news. A revolution. Ajupiat.com. La poubelle à Jeff. Herger. Toxic Herger. La Poubelle oh, oh. à Jeff. La poubelle à Jeff. Toxic. Oui. <laughs> hey. What? Euh, N'oubliez pas le burger cette fin de semaine. On s'en va manger le burger au cosmos. Plein de monde l'ont fait euh, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai mis une photo euh, hier sur euh, mon Twitter public et euh, j'ai quelques, quelques débiles. Il y a vraiment des gens malades dans la tête. Hein? Quelques débiles qui, avec euh, des, affaires, des comptes vides créés il y a quelques temps, qui, euh, je ne sais pas, je dois avoir à peu près... Je oh, vois à peu près 10 vrais haters là, que si jamais je me promène, me promène quelque part avec ma femme, il faut, me, me, faut quasiment que j'ai un batte de baseball pour me protéger de ces gens-là. Ils sont vraiment, vraiment complètement fous. Euh, tu sais, péter des coches sur une lasagne, le prix d'il y a un an par rapport à aujourd'hui et sur un burger dans un restaurant, il faut vraiment être cinglé. Mais les autres, mes gars, enjoy. Le burger était cœur. Hein? Hier, ma fille, ma plus vieille, est allée avec son chum et des amis. Ils ont capoté sur le burger. Ma fille, qui travaille au Cosmos, s'est euh, servi un, un burger juste avant de partir pour l'amener à la maison. Elle a dit, pas ton burger, était coeur Donc, ça fait l'unanimité. Et je dirais que même parmi les haters, ils ne l'avoueront jamais. Mais jamais ils ont mangé un bon burger de C'est le burger américain Jeff. Vous allez dans les deux cosmos, vous le mangez sur place. 18 dollars. Si je fais la comparaison avec, je pense que l'an passé, de, de mémoire, soit qu'il était à 17 ou il était déjà à 18 et on offrait... 20 avec une bière en fût, je pense. Donc, si je compare avec euh, les prix qu'on consomme un peu partout, le burger à Jeff semble épargné de l'inflation. C'est une très bonne nouvelle, mais surtout, il est écœurant. Bonne boulette d'un bœuf d'ici, du euh, bacon du cosmos, donc bacon de chez nous, des champignons qui sont écœurants dedans, une ouais. belle tomate croquante, de la laitue. Bon, il y, y, y a des gens qui m'ont envoyé des Ah, hey, Tu me dis laitue iceberg. Souvent, quand il n'y a pas de laitue iceberg, c'est de la Boston de Mirabel. C'est qu'il y a un problème de quantité de laitue disponible. Il y a, y a des manques de plein d'affaires. Donc, quand il n'y a pas de iceberg, de temps en temps, c'est une Boston. Mais généralement, quand il y en a disponible, c'est de la laitue iceberg qu'on met avec. On a des oignons rouges. On a un bon fromage vieilli deux ans chez Dor qui était écœurant. On a un pain sésame. Le super pain. Ah, super pain. Regarde, il est parfait. Il est parfait, parfait, parfait. D'après moi, je m'en tape un autre en fin de semaine. Donc, euh, dans les cosmos, deux cosmos, on est sur Laurier et également dans le coin de Le Bourneuf. Yeah, merci aux pirates de nous envoyer des photos. D'ailleurs, euh, c'est burger à radiopirate.com. Burger à radiopirate.com. Si euh, vous mangez le burger, mettez une photo. Puis, c'est euh, vous quoi? On va peut-être aller manger avec vous le 23 novembre. Jerry, Mr. White et moi, on va aller manger au cosmos avec vous autres. Parmi les gens qui auront mangé un. Euh, euh, un burger de Jeff et qui nous ont envoyé leur photo sur burger à radiopirate.com. As-tu aimé l'entrevue avec euh, Eric Duhem tantôt, by the way? J'ai adoré. Oui, dans la poubelle, on aime ça parler de, de toutes sortes de, de sujets. Euh... Mais c'est un parti qui euh, naissant, il faut le dire de même. Là, les... Non, mais il n'y a pas rien que ça. C'est que, que j'aime. Je comprends que on est en famille. T'sais, les gens qui nous écoutent sont des gens qui ont, sauf les haters, qui nous écoutent en cachette. Mais les gens qui nous écoutent sont des gens qui ont probablement voté euh, PCQ. Donc on est en famille. Puis la manière qu'on, tu sais, Eric c'est pas un ennemi. C'est pas comme si j'avais un parti politique que je déteste puis quelqu'un vient s'asseoir en avant de moi. C'est pas le même genre d'entrevue. Donc on est, il vient ici et chez eux. Mais euh, on les PCQ FM. Là. Mais c'est quand même quelqu'un qui a oui, faut il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Oui, il y a une prestance. Oui, il ne faut pas qu'il mette de l'huile sur le feu. Mais il n'y a pas ce qu'on reproche des autres. Il n'y a pas une cassette. Il y a un fond, de, il y a une sensibilité, il y a un bout. De, oui, c'est un gars intelligent, mais. Moi, après, quand je finis une entrevue, puis que j'ai des affaires un peu plates à poser à Eric parce qu'on se sent dans la famille, je suis toujours content après. Je suis content de ses réponses. Puis même les gens qui, euh, qui ont épargné ou encore qui, qui ont voulu euh, envoyer un message, tout le monde, d'après moi, est content de ce que euh, Eric répond. Je trouve qu'il y a le bon, le bon ton. Il y a la bonne attitude. Il y a d'énormes défis qui s'en viennent. Mais j'ai extrêmement confiance en Eric. Vraiment, 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 vraiment. Extrêmement confiance en Eric. Gars intelligent, gars balancé, gars euh, avec des valeurs qu'on qu apprécie. Garde, euh, on est entre bonnes mains. On veut le meilleur, on veut quelque chose de hot, puis on veut que ça, on veut mieux pour la prochaine fois. Mais bon, on a le bon gars. Tu sais quand tu regardes les autres chefs de parti, c'est pas gênant. C'est loin. <laughs> c'est <laughs> zéro gênant. C'est zéro zéro zéro. On a zéro, pas mal le meilleur. Là. Il l'a pas dit, mais juste avant de rentrer en onde, Preston Manning l'a appelé pour quelque chose. Puis Preston, il a dit, Eric, as fait une très de bonne job. Il dit quand j'ai parti de mon parti au Canada. Ils disent, la première élection, on a été deuxième partout, mais on n'a pas élu personne. Et par la, la fois d'après, on en ont élu 58 et la haute élection d'après, 60. Donc, OK, ça ne se bâtit pas en 24 heures. Ça ne se bâtit pas en 24 heures. Restons, euh, restons dans les Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la nouvelle du jour, confirmée. Confirmée, vous êtes dans la poubelle de Jeff. Elle est toxique, mais c'est une bonne nouvelle. Les sénateurs d'Ottawa sont avant, officiellement. Yay! OK? C'est officiel. Ah, non. mais en parlé hier. Non, non, mais là, c'est annoncé par les sénateurs. Okay, c'est fait. là. Donc, le processus est euh, parti. Les deux filles, ces deux jeunes filles, ne oui. veulent pas gérer ça aux autres. Il y a une histoire en cours. Il y a une poursuite d'un bord qui a répondu d'une autre poursuite. C'est une équipe qui ne fait pas d'argent. Il n'y a pas de monde dans, dans les estrades. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour essayer d'amener du monde là-bas? Il y a deux groupes, en tout cas, il y a deux, trois groupes qui sont intéressés. Entre autres, euh, l'acteur. Hum. Oui. Tu savais, Jerry? Le lui. gars de Deadpool. Je savais pas qu'il était canadien, lui. Oui, lui, ma blonde l'adore. On s'entend avec eux autres, ils font des belles photos, elle puis sa femme. Euh, lui et sa femme. Euh, lui, c'est un full Canadien, c'est un full gars de hockey. Hier, quand j'ai vu la nouvelle, je pensais que c'était une nouvelle tirée par les cheveux un peu juste feu jaser. Mais non, il dit, non, non, je suis vraiment intéressé. C'est Ryan, Ryan Reynolds. Reynolds. C'est Ryan Reynolds. Il dit, les sénateurs puis mon costume de Deadpool, c'est les mêmes couleurs. « Wow! <laughs> » hey, Les gars des sénateurs étaient énervés quand ils ont su que... Ils, disaient, ben, ils ont on truc tout sur Ryan Reynolds. Le gars. le gars est bon, le gars est drôle, il est drôle partout. Dans son, dans, dans son personnage, il est écœurant. En fait, dans tous les films qu'il fait, il est vraiment écœurant. Je ne sais pas ce que, où ça va aller, cette affaire-là, mais euh, il y a des groupes qui veulent garder le, le club à Ottawa, d'après moi. La famille Minto, donc le gros builder canadien qui bâtit plus de maisons même aux États-Unis qu'au euh, Canada... Euh, la famille qui veut bâtir un aréna au centre-ville avec des tours d'habitation et tout. Il y a pas tout, comme là. un gros, pro... le gros projet là… Euh... Barton, quelque chose, oui, je ne sais pas trop quoi, le nom. là. C'est immense, il y a comme un grand terrain libre. Ben, écoute, moi ce que je, je pensais, je me suis dit, avec le refroidissement de la construction, parce que juste dans le marché d'Ottawa, les deux gros joueurs, c'est Minto et euh, Matami Holmes. C'est drôle parce que je reste dans une maison Minto en Floride. Et les développements à côté de chez nous, c'est Matami Homes. Donc, c'est ces deux compagnies d'Ottawa qui développent la, 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 la ville chez nous euh, à Port-Saint-Lucie, en Floride. Mais je me suis dit avec le ralentissement de la construction, parce qu'Ottawa, euh, le dernier mois, 400 maisons neuves. L'avant-dernier mois. Ce mois-ci, 100 maisons. Donc, il y a un déclin très rapide. Donc, je me suis dit... Oh, peut-être que Minto va voir ça. Puis, vu que c'est Canadien et Américain en même temps, ou à peu près sur le refroidissement, je me suis dit, peut-être qu'ils vont se garder une gêne pour le cash flow, toute cette patente-là, parce que ça prend énormément d'argent pour acheter. Mettons, 500 millions US pour le club, plus bâtir un nouveau building, et ça bon. commence à faire du cash pas mal. Mais il semblerait qu'ils sont encore dans le décor. Mais pourquoi on vous en parle? C'est que euh, on... vous allez voir. Les gens de Québec. Puis on le gâteau à vanille. Là. Les gens de Montréal, ça vous touche aussi parce que tout le monde veut une rivalité nordique-canadienne. Ben oui. Tout le monde. C'est okay? sûr. Tout le monde veut ça. Là. Moi aussi. Quelle époque incroyable, pareil. Moi, tu sais, moi, je veux... Ben oui. On s'est tapé sa gueule au mois de juin. Oui, c c on se tapait sa gueule en chum en se racontant des histoires de la saison passée sur tel match. Ça finissait à une heure du matin après 7-8 grosses bières et des claques sa gueule en plein mois de juin, juillet. Ça, Pas ça sonnait chez nous la nuit, là. Oui. Pour mes là, ben ouais, à 4h du matin. C'est incroyable. Ah oui, on vient de vous battre. Ah ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que tout était canadien. Moi, je suis canadien. Es dans, dans, une... dans une mer bleue. Ben oui. Puis moi, j'étais au Saguenay. Canadien, 50-50. Mon père nordique, moi, est canadien. Oh boy. Alors, ah moi, j'étais bleu, là. Non, non moi, ah, moi j'étais bleu. Moi, moi j'étais bleu, dangereux, là. Est-ce que c'était péquiste fédéraliste? Non. Euh, non. Est-ce que c'était Molson, O'Keeffe? Non. Non. Ça n'a rien à voir. C'était ben Québec-Montréal. Ouais, Québec-Montréal. Ouais, mais moi, ce que je vais, voir avoir là-dedans. Il euh, y a un attachement quelque part. Moi, mmh. ma, ma femme, c'était une bleue, là. C'était une nordique. Euh, J'ai toujours tatoué. su Tatouille. <laughs> Ça me surprend pas du quand tout. Je connu, quand je l'ai connue, quand je l'ai connu, je dis Ah oh boy, t'as peu. Moi, je prenais. Ben, au début, je prenais de Laurentine, c'est pas mal. Je change mon ma... affaire. Mais moi, nordique. je prenais pour Canadien, puis je buvais de la bleue. Eh, OK, toi. Moi, je t'ai mêlé, là. <laughs> Moi, c ça, c'était. C'est ça, Moi, j'étais un peu. Je ne prenais pas de la. OK. Ben, à, au début, je prenais de la Laurentide pendant plusieurs années. Puis après, j'ai switché avec Denise. c'est Denise. Ah euh, oui. Puis, euh, oui. Les, les Frères Bleus. Salut, Denise. Non, salut, Denise, avec les Frères Bleus. qu'il <laughs> faut dire que je faisais beaucoup de promotions avec la batte à ce moment-là. Ça, c'est avant que la Budweiser puis la Meller puis toutes ces affaires-là arrivent. On était, on était dans nos bières locales pas mal. Anyway, c'est une, une belle époque. Mais je pense que tout le monde veut refuser ça d'une certaine manière. Donc là, là. Oui, là, là. Là, là. là, là. là, là. Si le gestionnaire de l'Arena, c'est pas le groupe que là, j'ai pas ce discours-là. Mm. Puis je suis d'accord avec les Tu T'es pas obligé d'être euh, propriétaire à 100%, mais il faut que tu sois le leader de la gang. Il faut que ce soit toi qui aies cherché les autres, parce que c'est toi qui as l'Arena. Puis c'est toi qui as dit à tout le monde qu'elle allait amener hockey. Il y en a eu des tests, là. Mais ça, ça c'est le plus gros. Ça, c'est le plus gros test de PKP. Puis je vous le dis, là. Québécois, et PKP ont un devoir de dire aux anciens partisans des Nordiques qui aux gens de Québec, aux gens des régions alentour de Québec qui rêvent d'un retour des Nordiques. On a bâti un aréna, ça on, on a donné un contrat incroyable à Québec. On leur a donné un aréna qu'on a bâti avec nos taxes, les taxes du Québec à, 200, à 50 puis un endettement de la ville à l'autre 50 on leur redonnait les clés d'un building qui leur a coûté zéro dollar. C'était eux autres, là. Puis même quand ils font des déficits, c'est épongé par mes taxes. Tes taxes. Tes taxes. Vos taxes. Euh, à ta peu, là. Là. À ta peu. Là, hein, là, là à ta peu, là. Là, là on peut-tu... Là, avec tout ce qu'on a fait, là. Puis, à Martin, je l'adore. un bon gars, Martin Tremblay. C'est probablement le, le futur patron de, de Québecor, Mais c'est pas lui, là. Pas lui, là. lui, il a perdu l'aréna, lui, c'est pas lui encore. Celui qui a une dette envers nous, une cristie de dette. C'est un gars qui fait semblant que dans son bureau, il y a des l'époque des Nordiques. Là. Alors que le hockey, ça écrit ça rien. Mais il est obligé, là. Il est obligé, là. Il est obligé de nous dire avant le milieu de la semaine prochaine, c'est quoi son plan. Puis il y a une affaire. Il doit être honnête. Parce que tout se sait là-dedans. On va, on va finir par le savoir. On va finir par le savoir. Mais il nous. Madame Poubelle fait sa salade. <laughs> Madame Poubelle fait sa salade. Elle a son, son, euh, son ton. ouais donc. Chez nous, il y a beaucoup de bruit. Je peux vous dire que. Non, chez, euh, oui. Chez nous, c'est très ça, bruyant. Ça, ça, ça c'est tout du monde bruyant. OK. <laughs> ça parle fort et ça branche. Donc, c'est okay. le fun, le bruit, ça ne te dérange pas du tout. Euh, moi, je suis très sensible au bruit. Oui, c'est incroyable. <laughs> je suis un peu malade avec le bruit. Non, non, non. Euh, ça t'énerve d'ailleurs que je sois sensible toi, dans même. une autre vie, tu vas être un Q-type. Euh... <laughs> Mais c'est ça que je veux vous dire. C'est que euh... ben là, as PKP doit, oui. avant mercredi prochain, moi, je le, ferai, je le ferai en fin de semaine. On va y laisser un break jusqu'à mercredi. Oui. Oh, oui, oh, ouais, on va y laisser un break jusqu'à mercredi. Ok, j'ai quelque chose pour toi après. Mais plus c'est tard, <laughs> tard, plus on connaît la réponse. Plus c'est tard, plus on connaît la réponse. Le gars nous doit son. Il a donné un arena qu'on a payé. Là. On s'est endetté pour. On, on, on éponge ses déficits. On lui a donné les clés du building. Il nous a promis qu'il oui. ramenait un club. Il a le droit de changer d'idée, mais on veut le savoir. Donc, le test, c'est le plus gros test. Vous allez savoir là si les Nordiques vont un jour revenir à Québec ou non. C'est là ou jamais. Si c'est jamais, on va le savoir parce qu'il ne fera pas de bide. Puis s'il nous fait croire bon je j'y vais pas, parce que je sais que c'est pipé d'avance, il y a déjà des groupes d'Ottawa qui le veulent. Non, 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 non. Va pointé puis il y a 25 millions mmh. de plus ou 50 millions de plus. Moi, je la connais, la réponse. Moi, je la connais, la réponse. 2021, pas une patente. Pas une patente d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 8 ans, d'il y a 5 ans. 2021. 2021, septembre. Oh. Pas un an. Là. Notre candidature est toujours présente. Nous avons toujours Brian Mulroney, qui est notre président du Conseil. Et Brian continue à travailler en ce sens. Quelle date? Laisse-moi regarder. J'ai la date précise ici. 9 septembre 2021. Ça fait un an. Pierre-Carl Pellado, toujours la foi dans le retour ah, des Nordiques. C'est le plus gros test. Un an. J'ai un audio euh, du ministre des Nordiques. Oh Pas récent. Non. Date d'un an à peu près. Ouais. Entends, écoute ce qu'il disait à ce moment-là. Non, ça c'est pas lui. On, on est chez toi, toi. Vas-y que le numéro 2 plutôt. Continuons Continuons <laughs> C'est le, euh... euh, okay. mmh. le numéro 7. OK C'est le numéro 7. C'était pas loin. Continuons! Voyons, là, arrête! Continuons! <laughs> Continuons! Le groupe de propriétaires du Canadien, présidé par Jeff Molson, ils ne veulent, veulent pas avoir non. les Nordiques. Ils veulent s'assurer. De... Ouais, je te dis, s'assurer. De... C'est quoi? <laughs> ça, c'est Michel Terrien. Oui, c'est Michel Terrien. <laughs> okay. ça, ça tombe bien. Okay, c'est donc... une bonne erreur. <laughs> c'est une bonne okay. erreur. Quel est l'autre? Euh, écoute, euh, euh, je vois, vois tu le trouver. Oh, bon. J'ai la citation, moi. Je continue mes citations. Oui. Nous nous activons en permanence sur la capacité de convaincre ceux qui sont ultimement décisionnaires dans le processus. Oh. C'est une belle phrase, ça. Ça, c'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. Ça, ça veut dire qu'on est toujours actif dans le processus. Ouais. C'est un gros test. Septembre 2021. C'est un gros test. S'ils ne sont pas là, si ce n'est pas agressif, si ce n'est pas public. Garde, on s'est fait niaiser pendant des années pour remonter un building pour rien, pour faire des shows. Sinon, il n'y a rien d'autre. Celui-là ici, le bleu. OK. Le gouvernement est favorable au retour des Nordiques. À ce stade-ci, on n'est vraiment pas dans les euh, détails. On est au début du processus. Je recueille de l'information. D'abord, comprendre pourquoi, euh, lorsque Vegas a eu une équipe, nous n'avons pas eu d'équipe. Mais ça, ça date de quelques mois. Hein? Ça date de quelques mois, mais savais-tu qu'ils ont posé la question le deux jours? Et il a dit quoi? Il a dit qu'il assure ne pas être en contact avec les héritières Melnick. Bon. En vue de déménager l'équipe à Québec. Donc, c'est un ministre des Nordiques, pas trop, trop nordique. Là. Non. Non, 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 non. <rire> <rire> On est parti pas mal. Bon burger au cosmos. Les Dolphins en fin de semaine. J'ai besoin de toi. Je suis une Vos seconde. Dons. Dons. Les Dolphins contre Chicago. Oui. On prend qui? Alors, c'est Facile. Ah, parfait. Non, mais l'autre est plus difficile. Parce que moi je suis premier dans mon pool de football. Oui, je suis premier, je veux rester premier. Les Rams à tempo B. C'est deux Stafford é... contre le, le Playboy. C'est deux équipes décevantes, deux équipes décevantes, deux équipes, décevantes. Deux, équipes décevantes. deux équipes louches qui ont besoin de cette victoire là. Ouais, mais j'irai avec tempo Oui, je pense que tempo il aura pas le choix, il va, il va arriver quelque chose là. Un il... miracle. Les Rams ont été shakés aussi la semaine passée, solide. C'est dur, mais vas que les odds. Deux équipes mêlées, une à domicile, un gars qui a à la tête sur le bio est en train de peut-être jouer euh, sa carrière. Tu sais, parce qu'on s'en plaît toujours de la dernière année. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Donc, peut-être que. Puis Tom Brady, divorce réglé. Je vais le tempo. OK. On est parti. Bon week-end. Thank you, Mr. White. Merci à tout le monde qui était là cette semaine. Mon nom est Jeffy Dion. Bon week-end. On se reparle lundi. Bon burger au Cosmos. Jeff Jeff je Filion. Welcome. Fresh 100%. 100% pirate.